Ouais, 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 salut tout le monde. Salut, salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le stream challenge. Comment allez-vous tous? Ouais, super bien, Max. Super bien, mec. Vous l'avez compris, je ne suis pas seul puisqu'ils sont tous, ils sont tous avec moi. Je suis avec Hugo, Faya, Rivenzi, Jumpe, Jiraya, Zulu, mais pas Xari. Il arrive. Le concert de Magic System, il a dit qu'il s'était pas réveillé. D'accord, bon bah merveilleux. Bon, en il devrait arriver 14 dans. Je peux le comprendre. Voilà, c'est le matin. Il vient de se réveiller, c'est le matin, c'est absolument normal. Bref, j'espère que vous allez tous très très bien. On va, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le stream challenge avant qu'on commence. Je vais aller vite parce que mine de rien, il y a beaucoup de matchs à jouer et je ne sais ça pas si nous aurons assez de temps. Sachez en tout cas que voilà, le stream challenge en gros, alors je vais changer tranquillement, voilà. C'est super original comme concept, je crois. C'est un tournoi multi-gaming assez classique, on joue chacun de chez nous. Il y a 8 streamers qui vont s'affronter et chaque jour correspond au jeu de un streamer, d'accord? Donc aujourd'hui c'est tombé sur mon jeu, donc ce sera For Honor. Demain ce sera quoi d'ailleurs, je dis pas de bêtises, c'est TFT, c'est Zulu qui a choisi ce jeu. J'ai développé moi-même. Voilà, il y a CSGO, ensuite le jeu de Hugo, ensuite il y aura Golf It, ensuite il y aura Mario Tennis, ensuite il y a quoi, Call of Duty, ensuite il y a Overwatch et enfin Rocket League. Voilà pour les jeux qui auront lieu pendant Je crois qu'on termine par Fear the Wolf, non Max? Exactement, c'est les jeux qui auront lieu pendant les deux premières semaines et normalement un lien vous a été donné peut-être par Emma sur les réseaux sociaux ou autre. Voilà, vous avez cette playlist ici où vous aurez en fait tous les tournois que vous pourrez suivre directement sur Tournament. Donc le premier, c'est ici For Honor justement, où on va commencer à faire le playoff. Et ensuite, vous voyez la section barrage pour les nuls. Oh, les parce que oui, quand on va faire les playoffs, c'est bien. Mais du coup, on aura des égalités pour les places 8, 7, 6, 5. Donc du coup, ces mecs-là vont devoir s'affronter. C'est le fameux barrage pour les nuls. Donc pour le moment, on va faire cet arbre de tournoi. Ce sera du 1v1 sur For Honor pour aujourd'hui. Et on verra qui s'en sortira le mieux. Évidemment, les règles sont classiques sur du 1v1. C'est-à-dire que pas d'équipement. Voilà, les gens vont simplement se fumer la gueule dans le plus grand des respects. Et que le meilleur gagne, tout simplement. Alors, mais c'est pas toi qui décide. Le tirage que vous voyez là, ça soundboard, ça va être un cauchemar. Le tirage que vous voyez là n'est pas le définitif. On va le faire en live pour que vous sachiez eh bien, qui va s'affronter. Je vais demander à Zulu de me dire stop quand il le souhaite. Stop. Voilà, ce sera donc Zulu contre Rivenzi, Hugo contre Xari, Faya contre Jumpe et Jiraya contre Maxildan. Ah non, mais je me tape Maxildan, genre le... Attends, je joue contre qui, moi? Je joue contre Faya. Ouais, tu vas jouer, Zulu, tu vas jouer contre Rivenzi et ce sera d'ailleurs le premier match qu'on va pouvoir observer. Allez, venez, plaisir. J'annonce qu'il n'y aura pas Xari, hein, j'en suis sûr et certain. Bah, si, si, il a dit que... Il est là, il a dit qu'il était là. Okay, il vient de se réveiller. Il a dit qu'il venait de se réveiller. Donc il va arriver dans quelques instants, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. Ah ben voilà. Là, il est là, il est présent, ça fait plaisir. Quand même. En fait, je pensais que c'était 14h30. Parce que ah merci, merci. Bah, comme tout le monde. J'ai bien vu que tout le monde croyait ça, vois, mais non. Je me suis dit 14h30, je me lève à quelle heure? 14h. 14h15. Après, si je vous avais dit de venir à 13h, vous voyez que. Gros désolé, je vais me faire confiance. Je dors. Voilà. Sur ce, j'ai le jeu, j'ai voilà. J'ai... Oui, Xari, toi, je sais que tu connais, donc ça ne va pas poser de soucis. Du coup, on va commencer avec le premier match. Alors, on a dit que c'était quoi? C'était là, il est pas à jour, hein, ce que vous voyez, le truc derrière moi, il va se mettre à jour dans quelques instants. Et du coup, ce sera effectivement Zulu contre Rivenzi. Je crois que c'était ça. Rivenzi, c'est celui qui a le plus traîné, je crois. Bah dommage. Ah mec, tu sais que je traîne depuis 4 jours gros. Absolument pas. J'étais chargé de jeu ce matin. Zulu, putain, qu'est-ce qu'il est bien modélisé, le prince de Perse? Non. Non, c'est faux. Rivenzi, je t'invite dans le groupe. Vas-y, tu peux join. On va essayer d'enchaîner vite les matchs parce qu'on a beaucoup de matchs à faire. Et comme ça, on sera large niveau timing. Voilà, on a Rivenzi, Zulu. Je vais pouvoir lancer le match. Je vais jouer à la manette parce qu'en fait, sinon je vais être paumé. On va partir en 2v2 histoire d'avoir tout ça en direct. Alors... Que je fasse pas de conneries, par contre je vais enlever les IA parce que sinon ça va nous casser les couilles. Ah, c'est du 1v1. Ah non, c'est du 1v1.
Oui, c'est du 1v1. Juste, moi, je me mets dans la game pour me suicider ou regarder le match à côté, parce qu'en fait, si je mets en 1v1, je peux pas me mettre en observer, et en gros, ils vont devoir lancer de leur côté, et après, je dois observer le match. Le problème, c'est que quand tu observes comme ça, t'as un retard de genre 10 secondes, tu vois. Et c'est un peu relou. Donc, on va faire comme ça, tout simplement. C'est du BO5, donc le premier qui remporte 3 combats gagne le match et passe à la phase suivante. Tout simplement. Ok. 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 Un bruit, là. Choix de la carte. Je parlais, s'il vous plaît, je me focus en fait. Rivenzi, est-ce que tu peux me dire stop quand tu le souhaites? Stop. Commence à me parler. On jouera sur la fosse. Si vous voulez du calme, vous pouvez changer de channel. Si vous voulez rester avec nous, vous restez avec nous. C'est vous qui voyez. Non, on reste. Moi, j'ai quand même besoin de me focus. Donc, juste les gars, respectez un petit peu. Vous allez vous focus très très vite, à mon avis. Mais voilà. Ouais. Ok, on part là-dessus. Eh ben, je crois qu'on est bon, messieurs. On va lancer. Premier match, Rivenzi. Super Zulu. Let's go. Alors moi c'est Zul hein, pour les intimes. T'as enlevé les yeux. Ouais, on n'est pas intime donc ce sera Super Zulu. Écoute, ton nom sur Uplay c'est Super Zulu frérot hein, donc au bout d'un moment on fait un effort. Ah attendez, j'entends un bruit. Ah c'est les couilles de Rivenzi qui viennent ici. Oh c'est marrant c'est ça, dis donc. Le gars qui a été C'est tenté. Mais... Je reconnais, c'est de l'humour. J'ai hâte de voir le prochain quand il fera encore cette blague. J'explique blague rapidement pour les gens qui nous regardent. Donc du coup, vous avez 4 familles de persos. Voilà, il y a des persos qui sont plus rapides, plus lents, plutôt hybrides. MDR. Non, j'en joue qu'un seul. Évidemment. Bah après, j'ai pas assez de temps de jeu pour être bon sur tous les persos. Faut jouer vraiment beaucoup. Alors. Attends, je suis désolé parce que je suis arrivé à la bourre. Le match d'après, c'est quoi? Vas-y, je m'en souviens plus, mais je vais regarder tout à l'heure. Non, c'est juste pour savoir si je peux faire un petit. Mais normalement, tu peux regarder sur le lien qui doit être dans le chat ou quelque part. Le site du tournoi est sur le chat si tu veux aller le voir. Ouais, Christou, il a linké. Les gens disent que mon son est bas. Ouais, bah je vais te monter tout à l'heure. C'est normal, c'est parce que tu cries. Oh, c'est très très bon de se retrouver. Ouais, hein, c'est bon ça, Max. Je vais me régaler hein. Sur mon spadachien. J'ai vraiment hâte de voir le premier. Ah, tu joues spadassin aussi, toi? Ouais, parce que c'est un peu c'est un petit peu mon main depuis plusieurs mois maintenant. Bon, je peux pas me suicider sur cette map, donc je m'éloigne. Hein. Mais je tue, moi, personnellement. Je te tue. Attends, je te tue si tu veux. Non, parce que tu vas gagner. Non. Pourquoi? Non, cela dit, il a raison, tu vas rien gagner. J'ai désactivé les. Vas-y, tue-moi. J'ai désactivé les avantages, donc tu peux me tuer. Oh. Regarde Rivenzi ce qui va t'arriver, hein. Regarde mon pote. Hein. Voilà, regarde. Ok, je sais. Voilà, ok. Tu fais laver là. Attends, je gagne mon énergie. Vous pouvez y aller, c'est quand vous voulez. Allez, bonne chance à toi, frérot. C'est pas de la chance en fait. En nos délais. Ah oh là oh les coups. Oh putain, par contre, il fait mal. Hein. Le gros tas, ça rigole pas. Hein. Ah, il met des gros dégâts. Et dis-toi que c'est pas un gros tas. Oh allez, l'exécution, non, Zulu. C'est qui s'est fait laver là? Rivenzi. D'ailleurs, Rivenzi. Ouais. Bah ouais, je me suis fait détruire. On raconte des histoires d'habitude. Ouais, c'est vrai, là c'est un peu différent. Ouais, c'est ça. Ok, juste détruire. Quand vous finissez votre adversaire avec une attaque lourde, pensez à. Vas-y, attends. Qu'est-ce qu'il fait lui? Excusez-moi. Je peux vous devenir, mais. Non, vas-y. Je sois au courant quoi. Quand tu. Je crois que c'est un Sioux, le perso de Zulu. Oui, je crois qu'il a joué d'ailleurs dans Walker Texas Ranger hein, il n'y a pas si longtemps. Regarde, on voit le cast de Danse avec les loups derrière. Oh, ok, Zulu qui t'a mis. Non, la deuxième elle est imparable. C'est, en gros, quand les attaques sont. Il y a un genre de fumée jaune autour de son arme, c'est que c'est imparable. Donc faut esquiver ou faire une parade parfaite, ça c'est possible. Et tu joues quoi, Rivenzi, comme personnage? Je joue pas d'Achien. D'accord. En fait, Spadassin, c'est fort, mais c'est très dur, quoi. J'sais. Ouais, c'est faut être bon, c'est rapide ça. Et ça fait pas beaucoup de dégâts. Donc, ah ouais, la vache, putain, ça fait zéro dégâts, quoi. En fait, ça fait peu de dégâts. Et quand tu connais pas les combos, Spadassin, je me fais détruire, quoi. Et surtout, t'as peu de PV, donc du coup, si tu fais deux erreurs, t'es mort, quoi. Peut-être changer de perso à la prochaine, au prochain match, du coup. Non, mais c'est bon, je vous regarde. Ça sert à rien de me tuer, vas-y, je regarde. Par contre, plein de soupe, Rivenzi, la prochaine fois, il est bien. Ouais. Par contre, n'hésite pas à faire des finishes, ouais, Zulu. Hein. Quand tu finis avec un coup lourd. Non, mais t'as cru que je savais jouer au jeu ou quoi? Bah, fais une exécution, quoi, sois beau gosse. Tu devrais esquiver un peu plus, je pense. Ah, c'est très bien vu là. C'est. Oh là là, mais attends, mais c'est. Belle roulade ici de Rivenzi. C'est terrible, quoi. Tu te fais toucher une fois, tu te fais pulvériser, quoi. Bah, faut vraiment garder, quoi.
Et le problème, c'est comme il joue un assassin, bah, il peut difficilement garder. Ah, là, vas-y, un finisher! Let's go là-dessus! Appuyez sur X ou Y quand vous finissez un mec, bordel! Ouais, ça dégoûte, gros! Bah, dégoûté! Voilà, déjà, ils sont concentrés pour tuer le mec, c'est chaud. Hein. Ouais, pour le spectacle! Alors, faites gaffe à votre endurance. Quand vous avez plus d'endurance, vous êtes des petites putes, hein. Ça, faut bien garder en tête. Vous pouvez courir pour. Quand vous courez, vous la récupérez, je crois, votre scénario. Ah, mais tu cours moins vite que l'autre, du coup, il va te fumer. Oh, ça se passe bien ici pour Ivenzy! Ah! Oh! Ça passe moins bien là. Ah, esquive-toi. Ah, c'est bon. T'inquiète, j'essaie de pas te gêner. Ah, ça se passe mal ici pour Yves. Oh non. Oh, ça dégoûte. Oh non. Oh, je pouvais pas bouger. Oh, ça dégoûte. Oh non, j'ai plus d'endurance. Oh non. Oh non. Eh bien, c'est une défaite. Ah oui, faut que tu me finisses, vas-y. Max. Oui. Le seul moyen de parer le break shield, c'est faire un break shield aussi, non? Comme ça. C'est la touche du break shield. Le break shield, il faut que tu break shield aussi. Ouais, c'est ça. En gros, le break shield, c'est X, c'est une chop. Et en gros, pour le casser, il faut faire une chop au bon moment. Donc, pareil, au moment où il y a une animation bleue, au moment où elle brille en blanc, t'appuies sur X et hop, ça contre la chop. Donc, faut appuyer ni trop tôt, ni trop tard. Et quoi, il y a une chop dans le jeu? Ouais, c'est X. Enfin, c'est un break shield que tu peux transformer. C'est un brise-garde. Oui, bah c'est la chop. Mais tu peux le transformer en chop. Si tu fais X et qu'ensuite tu refais X avec une direction, ça fait une chop. Comment ça? Ah, moi non. Ça, quand tu fais de... X, ça chop le mec. Attends, tu joues avec une manette PlayStation ou Xbox, Xiria? Xbox. Ok, donc quand tu fais X, ça chop le mec. Et après, tu peux soit lui mettre des coups légers, lourds, ou tu peux rappuyer sur X pour le repousser dans une direction. Ah, bah voilà, c'est pas une chop du coup. Non, bah, c'est une chope qui pousse. Quoi. Ça dépend du perso, mais la plupart du temps, quand t'appuies sur X, tu chopes le mec. Hein, donc, mais c'est eux, ils appellent ça un brise garde. Il met un coup avec son. En fait, faut voir avec les runes si ça proc avant. Non, mais. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que je suis riné en violence, si vous voulez. Bon, on a eu le premier match. Le second, ce sera qui? J'ai complètement zappé. Alors, attends, on va refresh ça. Alors, Zulu, Rivenzy, oh regardez les scores qui sont mis à jour en live, c'est un plaisir. Donc, Zulu 3-1, bien joué à toi, on enchaîne avec. Eh bien, Hugo contre Xari. Ouais, Max, sinon, les gens disent qu'il faut que tu te laisses tuer avant pour que tout le monde voit la vie. En vrai, le mode spec est mille fois mieux quand t'es mort que. Ok, je me ferai tuer d'abord, on fera comme ça dans le chat, il n'y a pas de souci, vous avez raison. Donc, on a dit Hugo contre Xari, je vous exclus, ouais. Les gars, hop. Tu m'as en ami, je sais même pas. Bah je ne sais pas, je t'avoue que j'en sais rien. Je crois que oui, enfin mais... D'accord, j'arrive pas à enlever Zulu, je sais pas pourquoi, hop c'est bon. Voilà. C'est un match fratricide. Alors c'est qui, c'est Hugo? Surtout, ça, je crois c'est qu'on bon. Joue le même perso donc... Bah attends, putain j'ai pas Xari en ami, casse les couilles. Moi je joue le gros plein de soupe avec la massue. Ah, bah. Ah non, moi je joue Berserker. Bon bah Xari, tu vas devoir donner ton pseudo Uplay à la France entière. Écrit le sur un chat. Ouais mais... Bah oui, au pire. Je vais te filer ça, attends deux secondes parce que je suis en train de battre Léa là. Non, je rigole, j'arrive. Je te file ça sur WhatsApp. Okay. Moi je suis en tuto là, j'apprends l'endurance. Alors du coup, il faut que je cache la scène. Attends, juste comment j'apprends l'endurance. Non, mais c'est vrai, il y a aucune. Oui, l'endurance. Dans le chat, on sait qu'il y a un mode spec, c'est juste qu'il y a du délai dessus. Oui, il y a un mode spec, mais il y a du délai, c'est un petit peu relou parce que du coup, quand les mecs vont lancer le match, je vais les join. Et bah, en fait, on peut faire ça, mais juste faut pas être en vocal avec les mecs. Parce qu'en gros, entre ce que eux vont faire et ce que nous on va voir, va y avoir un délai de ouf, ça va être infâme. Mais ouais, non, mais ça sert à rien. Donc on a préféré rester tous ensemble, voilà, c'est pour le fun. Vous juste respecter un volume de. C'est juste un nom ou y a un code avec? Non, t'as juste ton nom normalement, c'est ton nom Uplay. À l'ancienne. Alors par contre, du coup, t'es chiant parce que faut que je mette une scène où on voit pas le jeu et en fait, j'en ai aucune vu que je suis en fond vert. De toute façon, tu vois les noms de tout le monde au final, donc c'est Xa underscore Ri. Ah bah oui, c'est vrai. Je suis con, ça s'affiche. C'est vrai, j'avoue que ça sert à rien vu que ça s'affiche de toute façon. Il est pas con. Xa underscore Ri. Prends le fond vert de Skyheart. Okay. Bon, ça va, je te permets pas, mon fond vert est à peu près ok quand même. Il est ok Google, baisse le fond vert. Du coup, il y a une. Oh, mais Hugo, comment t'as fait? T'as réussi? Ouais. T'es vraiment trop fort. Non, faut regarder le live pour capter la vanne. Ah oui, d'accord, ok. Allez. Ah, c'est énorme. On va enchaîner. Hein. Ouais, on va suite. Très bien. Xari, je t'ai toujours pas. Moi, si, j'ai accepté, frère. Comment on contre un mec qui appuie sur X? T'es connecté? Tu ah oui, en fait, t'es en hors ligne. Ah, ok, mais c'est de la merde. Je reconnais ça, c'est de l'humour. Ok, t'es invité. Je crois savoir ce que c'est. On y va. Alors, partie perso. Max, tu m'as dit comment on fait pour contrer un mec qui appuie sur X? Tu auras appuyé sur X.
tu fais X en même temps. Mais au bon moment. Y a un moment. Ah oui, oui, il y a un timing très précis. Et c'est... Ouais, mais c'est quoi ce timing? Putain, je comprends pas. En même temps. Bah c'est en même temps, t'es sûr normal, on est quand t'es nul, tu fais juste grosse frappe. Oui, ou tu fais roulade arrière et puis tu t'en fais les couilles. Putain, on est original, Xari, sur nos blasons. Là, c'est juste pour nous impressionner que tu demandes ça. Bah, c'est un X quoi. Ah, c'est un gros X. Toi, tu t'appelles Maxildan, ça devrait pas être un X, bouffon. Oui, bon, ça va. Alors. C'est celle, mec. Allons-y. Bon, Hugo, tu me tueras, d'accord? Avec plaisir. Début de game. Avec plaisir. Deuxième match, on est parti, Xari contre Hugo the Liar. Ah non, Limbo, tu fais pas caca? Non. Non mais... Comme à la maison. Très bien. Du confinement. C'est le bon, gros c'est caca. On part là-dessus. Oh, le berserker, c'est trop fort. Ne défecte pas sur le plancher. Cornhead. Ah putain, alors Xari, j'étais sûr qu'il allait jouer ça, putain. Xari, quel que soit le vainqueur, c'est, non, ah, c'est le perdant. Le perdant montrera la vidéo des rois du PAF la prochaine. Okay. Donc c'est roi David contre Richter là. Du coup. Ça veut dire qu'il y a du. Oh non, pas ce map. Cette map elle est infâme. Viens, on dit qu'on se pousse pas. Non, ça fait partie du jeu ça. Bah, je te fonce la gueule, je te fonce sur la gueule. Attends, faut que tu me tues. Ah oui, merde, attends. Eh les gars. Attends, tu le tues-moi. Oui, merde, Hugo que je. Ah, mais non, je peux suicider, je suis con. Mais oui, suicide-toi. Je dois pouvoir me suicider. Oh merde, oh je suis désolé. Ah bah super, fils. Vas-y, de pute. Pousse-moi. Voilà, parfait. Ok, c'est bon, je te prends. En fait, je voulais sauter, mon perso a dit non. Oh, mais il est rapide ton perso de mort là. Bah oui. Tiens. Ah, c'est quoi cette arme? T'as un Xari. Non, mais gros Xari, il met un coup, il peut one shot, hein, donc fais bien gaffe. Hein. Oh, c'est le roi d'Adidou. C'est qui le roi? Ah, il a essayé. Oh, il a un gourdin. Oh le gourdin. Oh la chute de Xari. Oh. Oh là, mort. Il n'en a pas de. Tu me sais pas. Maman. Putain mais là, c'est un bordel. Vas-y Hugo, fume-moi. Non. Je ne te respecte pas. Je ne te respecte pas. Où le gros? On est de l'autre côté. C'est triple X pour faire. Ouais, c'est triple X, c'est bien ça. Ouais, non, pour faire chuter, c'est deux fois. Une fois X, tu le chopes, et la deuxième X, tu le repousses. Okay. Oui, Zulu. Sachant qu'une attaque lourde peut aussi repousser. Mais c'est quoi cette arme là? C'est Hugo là qu'on... Non, là on voit Xari. Xari, il a vraiment un gourdin, mon pote. Il te le met, tu. Bien. En tout cas, c'est la gourdin, ma c'est tellement OP. Oh! Mais tu étais au courant qu'il y avait un mode spectateur dans le jeu ou pas en tout cas? Allez, bien, viens là! On sait, qu'il y a un mode spec, les gars. Sauf qu'il est, pété à la mort, donc c'est naze. En gros, c'est simple. Dites-moi dans le chat, mais quand on crée une partie perso en 1v1 et qu'on se met du coup à 3 pour pouvoir se mettre en spec, et ben on peut pas. En gros, il faut que les mecs. Il faut que les mecs lancent la game et qu'ensuite je join pour spec avec un délai du coup de 10 secondes, c'est infâme, c'est de la merde. On est tellement lent, on est stun. Grenade flash. Les deux ils ont plus d'endurance et tout, ils régalent. Putain mais, voulez-vous pousser en fait depuis tout à l'heure? J'ai plus de stamina, mais il est trop gros. Mais les deux ont plus de stamina en fait. Putain. Oh, oh non. Dans le cul, dans les coups. Coup de bide. Mort. Oh putain. Mort. Gros match. Les amis, mais quel rigolo. C'était un beau combat d'infirme en tout cas. Pousser du pont, hein. Bah oui, c'est la seule solution, gros. Tu mets une patate, je suis au sol. Tiens, Hugo, je viens vers toi, tu me pousses. Putain, les bâtards dans le chat. Dis bien. Tiens, vas-y. Bien joué. T'es vraiment trop fort. Putain, moi je joue face à Max, ça va être cool. Ça va être bien, je suis de régaler, je pense. C'est ça. Y'a un loser bracket, hein. Oui. Mais tu sais que dans une émission... Tu sais que dans une émission pour ES1, on devait tourner une sorte de... Tu sais, c'est une grande battle et tout, donc tu sais, tu devais jouer à des jeux vidéo chacun. Ouais. Et genre, bah, tu t'étais tiré au hasard, sur un jeu au hasard et un adversaire au hasard. Je suis tombé sur Street Fighter 5 face à Jetus. Régal. T'as passé un bon moment, je pense. J'ai parlé 2 minutes dans l'émission, juste pour me faire pulvériser, c'était bien. Et je suis resté 4 heures de la journée là-bas, c'était vraiment génial. Tu t'es éclaté, t'as dû kiffer. Bah allez. Ouais, puis en plus on devait rester jusqu'à la fin de l'émission parce que du coup il fallait dire au revoir à tout le monde. Les émissions ES1, c'est vrai que c'est un peu putain, le piège. Mais Hugo, comment t'as fait le counter là? Je comprends pas comment vous faites les contres, hein, les gars. J'ai fait X. Par contre là j'ai juste roulé. Alors de quel counter tu parles? Non. Tu veux dire la parade parfaite? Il lui a mis un coup de gourdin et lui il a roulé. Je me fais tout le temps tuer en tombant, maintenant je viens plus. En fait, quand tu prends une attaque lourde, ou même une attaque légère... Comment on esquive en fait? Comment on esquive? Parce que depuis tout à l'heure... Dis rien.
putain. Avec quoi? Ah, sur les côtés. Vas-y Max, explique. Okay, okay. Tu vois, regarde là, quand je fais A, je fais des esquives gauche-droite. Attends, t'es où, Xai? Non, c'est bon, j'ai compris, mais je juge pas la touche, du coup, bah, je me fais tout le temps pousser. Bah, le A, voilà, c'est les esquives. Et quand il attaque, si je fais une... Si je fais une attaque lourde dans la direction de son attaque, au bon moment, ça fait une parade parfaite. Putain, c'est la musique de quoi, ça? Au secours, Anna, jamais il encule le vocal. Ah, par contre, tu niques le vocal, gros, c'est un bordel. C'est la terrible. La VOD aussi. La VOD. Ah, parce qu'on ouais, la VOD, monétisation, quoi. En fait. Oui, du coup, Max, tu as dit qu'il faut que je fasse un coup. Y a un mode entraînement dans ce jeu? Mais il y a tout ce qu'il faut, ouais. Il y a un mode training. Chacun son tour, mec. Aïe, 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 aïe. Ah, ça dégage. Deux parties. Tu me conseilles quoi pour m'entraîner au counter? Y a un truc spécifique? Je crois qu'il y a un tuto où tu as un mec qui fait tout le temps écouter des trucs de telle. Ouais, y a un tuto qui te fait tout faire en fait. Tiens, vas-y. Dans quoi? C'est épreuve de l'apprenti, épreuve du guerrier? Non, juste tu vas dans entraînement, tu choisis ton perso et normalement après quand tu fais start, tu peux choisir ce que fait ton adversaire. Du coup, il te fout la gueule comme tu veux. Tu peux train les combos de ton perso, tu peux tout train. Ça marche, BG. Merci mec, c'était juste le meilleur. Qui gagne pour l'instant? Je crois que Zulu s'est qualifié. Ouais, il y a Zulu qui a gagné son premier match. En fait, vous avez le lien qui va popper dans le chat avec où en est le tournoi pour le moment. C'est chiant. Personne enculé là. Mais surtout, il tank de ouf. Moi, je te permets pas. Il prend masse dégâts, quoi. On va se faire pousser. Et il est. Oh, il a tenté le one shot. Là, le coup qu'il a fait, en gros, si t'as la moitié de ta vie, t'es mort d'un coup. Arrête, c'est super chiant ton perso là. Il a plus de stamina, il a plus de stamina, ouais, toi non plus. Ah, mais lui non plus, on est deux flash là. Deux boulots. En fait, en gros, quand t'es débutant, faut absolument pas jouer genre assassin quoi. Enfin, vraiment, c'est trop dur, faut plutôt jouer genre. C'est risqué, on va dire. Fort, comme ça, le peu de fois du tout, je suis tapé fort quoi. 3,50, ouais. J'ai plus de vie, je vais gagner. Jamais je vais sur le pont. Jamais je vais sur le pont, quel bâtard. Oh, irréparable. Ah non. Oh, il le pousse. Je le poussais. Oh, mais gros, mais je fais 20 km en Et c'est une victoire de Xari. Bravo, Xari qui l'emporte hein, là-dessus face. C'est exprès en fait, c'est pour envoyer Hugo tuer tous les losers et après on se retrouve en finale. Voilà. Je monte la vidéo donc c'est chaud. Faya contre Jumpe, ce sera le match suivant. C'est-à-dire que je tombe contre. Oh non, je tombe contre Hugo, ça dégoûte. Ok, j'ai compris. Horrible. Alors, que je me casse d'ici. Ouais, hop. Hugo, vas-y. Je t'exclus. Alors, c'est quoi? C'est Faya. Il est où, Faya? Allez, Faya. Allez, hein. Allez, mon grand. Hein. Pourquoi je suis Zulu, du coup, là, après? Ouais, c'est ça. Tu seras contre Zulu. Alors là, c'est Faya contre qui? Zulu est trop chaud, mec. Jumpe? Jumpe. Ouais. Merde. Putain. Je t'ai mute. Ok, c'est bon. Oh bah bravo. Faya, Jumpe, partie perso, 2v2, machin. J'ai juste changé la map à chaque fois, histoire qu'on ait un petit peu de changement. Voilà, cathédrale, magnifique, ça régale. Hop. La pression. Ah, je la connais bien cette map. Pas du tout. Ouais, pareil. C'est la première fois que je joue au jeu. Tu joues clavier souris, toi, en plus? Oui. J'ai essayé de vous filer les clés le plus vite possible pour que vous ayez le temps de faire la... Moi, je jouais clavier souris avant, mais c'est ok. Hein. C'est juste que... En vrai, ouais, ça va. C'est moins... Comment? C'est moins logique, on va ouais, dire. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Exactement. Faya, faudra que tu me tues au début de chaque manche, d'accord? Bon. Jumpe, t'as déjà joué au jeu ou pas trop? Ouais, pas mal. 10 minutes. D'accord, et Faya? Je crois qu'on est à 12. Bon, bah voilà. Très bien. Léger avantage pour Faya alors. C'est qui, Brice? Léger avantage pour Faya. Kensei contre Ersir. Donc des gardiens, la classique pour des débutants, c'est parfait. Qui joue Kensei? C'est mon personnage. C'est Jumpe. Ok. Bah, après, vous pouvez jouer des persos plus compliqués, mais juste aller vite fait dans le tuto pour apprendre leurs coups, quoi. En vrai, les persos ont pas 50 000 coups, donc c'est. Ouais, les coups de base. Allez, Faya. Pas impossible. Hein. Ah, bah, je dois tuer Max. Je peux me. Ah, vas-y. Ouais, mais je vais juste aller dans un geyser et puis ça va me fumer la gueule, ça va être parfait. Vas-y, fume-moi. Tu peux me pousser dans un geyser si tu veux. Voilà. Pousse-moi dans un geyser. Oh, oui, merci. Non, s'il te plaît. Tu m'as régalé. Dans un gros geyser, s'il te plaît. Allez, messieurs, c'est à vous. Régalez-nous. Allez, c'est parti. Montre-toi. Quel match voilà. Quel match. Il envoie directement Jumpe là qui s'avance face à ce.
Attention, le First Blood ici, hein, qui est mis par Junpei sur, sur Faya. Faya qui a perdu un tiers de ses points de vie. Et ça tourne autour de la pierre tombale. Oh, s'il te plaît, vas-y. Oh là là, Faya, il prend si cher. Joue bien, Faya, joue bien. Oui, c'est pareil. C'est reparé. Ah, clavier souris. Oh, là. Oh les attaques lourdes qui font très mal ici. Midlife, il a plus du tout d'énergie. C'est très serré ici entre les deux joueurs. Non, Junpei qui l'emporte à ça. Oh non. Oh non, Faya, c'est pas grave, c'est qu'une manche, c'est que dans la tête, Faya, ça joue dans la tête. Ouais, ouais. Ce match, ça joue dans... c'est un tempête. Joueur mobile, mec, c'est un joueur mobile, il a pas de mental. C'est le moment où il a bouffé mon sabre. C'est un joueur mobile, mec. Quel est toujours là, la Max ou... Ouais, ouais, attends, je vais... il faut que je me suicide à chaque fois, je sais, c'est chiant. Déjà culte. Vas-y. Défonce-moi, Faya, mets-moi tout. Comment on annule une attaque? T'appuies sur B. Tu peux cancel tes attaques en appuyant sur B juste avant qu'elles partent. Oh mais là c'est dinguerie ce que mes Faya. C'est un jeu de combat classique, hein. Vous avez attaque légère, attaque forte, chop, cancel, voilà, y'a tout. Hein. Alors faites gaffe, les geysers font mal. Hein. Oh geyser. Oh le bourreau de ces dames. Oh là là, Junpei hein, qui fait le taf, attention, il a plus d'énergie. Ouais, ouais, il fait n'importe quoi. Faut le bourrer quoi. Quand il a plus d'énergie, faut le bourrer. D'énergie, la fameuse énergie. D'énergie, Ma Faya qui aura pas profité. Oh, Faya! Ça se cherche, hein, pour le moment ça ne se trouve pas. Ça y est, Faya qui commence à perdre pas mal de points de vie là-dessus! L'attaque lourde qui passe! Il a 2 HP! Oh là 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 là! Très bien joué de la part de Junpei! 2-0, Junpei! 2-0! Il attaque Faya, sors-toi les doigts s'il te plaît! Alors le joueur mobile là, ça ferme sa gueule, hein! C'est pas mon argument, hein! C'est vrai. Non, t'étais excellent hier dans le récap weekend. Ah, vas-y, fume-moi, ma mec! Excellent. Oh oui, mais moi ce que je mérite. Oh, finis-moi. Putain, mais moi je joue contre Max, quoi. Putain, regardez comme il est fort, Max. Bah, j'ai pas joué pour le moment, donc j'ai pas impressionné grand monde. Bah après, toi t'es chaud, toi t'es un boss du jeu. C'est un des rares jeux que t'as campé dans ta vie. Oui, mais comme tu le sais, je suis mauvais à tous les jeux, donc il est tout à fait possible que je le choke comme une énorme merde. Ouais, mais là ce serait extrêmement grave. Ce serait très grave, on est d'accord, on est d'accord. Max. C'est-à-dire que là, moi je t'obligerais à rester en confinement toute ta vie après ça, quoi. En fait, je me connais, je vais vouloir faire le spectacle et du coup, je vais tenter des trucs et je vais me faire punir. Je le sais. Vouloir faire le spectacle. Dis-nous l'intermittent du spectacle. Parce que j'adore le For Honor Champagne en fait. Oui, je veux dire. C'est pas beau ça. Junpei, c'est pas beau ce que t'as fait. T'es vraiment enculé tout mec. Il l'a poussé dans le vide. Mais non. Ça ne se fait pas. Après, Faya, il a pas mal joué au jeu, hein, faut le rappeler, ouais. Au moins genre 13 minutes. C'est là où je suis déçu de moi, vraiment, c'est que j'ai saigné le jeu. Quoi. Bah ouais. Comprends. Junpei, 3-0, on enchaîne avec le dernier match. Du coup, c'est qui? C'est moi contre Gigi, c'est ça? Bah, pas des moindres, ouais, je pense que c'est celui que tout le monde attend, c'est le classico. Que la France entière attend. Voilà, la France entière attend. Malgré ce match à huis clos, le public est bien là ce soir. C'est ça. Merci à vous. Pour toutes les personnes qui ont pris leur billet pour ce match, je voulais vous mettre à vos places indiquées, bien évidemment, parce que sinon il n'y aura pas de place dans les tribunes. Merci à tous. Toujours les bons effets audio, ça régale. Encore du cum. Ready to swallow. mode de jeu, bon, on peut partir en X, ça va être pareil. Vas-y, on va changer la carte. Non mais attends. Quel plaisir. Ah oui. Coronavirus. Corona. Ah, c'est génial. Oh, par contre les... Restez confinés chez vous les amis. Chien Hugo de ouf. Par contre les... Ouais, ça c'est chiant, j'ai les messages Discord qui s'affichent en dessous, faut que je mette en mode streamer, je dois pouvoir faire ça. Non, c'est chaud. Ah, mets-toi en mode streamer. Ah ouais, faut que je me mette en mode... Putain, mais je suis en mode streamer, pourquoi les messages s'affichent? C'est insupportable. Je vais quitter cette... Je vais quitter cette scène en fait. Est-ce que je peux quitter? Les propriétaires. Mais il est chiant. Il ne sait pas ce qu'est un locataire. Il fatigue, hein. C'est horrible, les gars. Ça, tous les jours, ça va. Ouais, là, je suis en train de me dire, en fait, on va mettre en place des casters et des chaînes vocaux séparés. Bah non, dès demain, on passe à des vrais jeux, ça va aller. On en reparlera. On en reparlera sur TFT demain. C'est un vrai jeu. TFT, jamais joué. La même. Bonne chance, mon Gigi. Ouais, bonne chance, mon Max. Bah, vas-y, fais le...
Essaye de faire un petit peu le beau jeu là, les gens t'attendent ici quoi. Si allez, je Gigi, mets-lui ce qui mérite, Gigi. Allez. Ouais, en tant que je suis japonais. Putain, j'ai tellement peur de perdre. Domo. Domo, je suis fils du soleil levant. Il fallait prendre un jeu où t'es sûr de gagner, gros. Hein. Mais. Il y a aucun jeu où je suis sûr de gagner, tu sais. Fort, mais tu sais, contre des mauvais, des fois, tu peux. Vu qu'ils font des trucs bizarres, bah, tu peux perdre, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'à Mario Tennis. Alors qu'à Mario Tennis. Oh, le spade à chien en plus. Ok, il est chaud par contre, Mac, il a non. Oh là là, il esquive. Petit pas, esquive. Hop là, dans le mur. Les saignements, c'est trop fort, je savais pas. Bah ouais, mais va-t'en. Pour l'instant, j'ai rien, n'a pas été. Ça se passe bien. Ça s'est joué à rien. En vrai, c'est une différence avec ton. Ok. Par contre, juste, comment tu fais pour rebloquer la charge là? C'est pas normal qu'il puisse pas te la bloquer. Ouais, je sais pas. Rebloquer la charge? Il peut bloquer la charge. Non, mais en gros, il charge. Je pense que c'est un 3Z là qui. Quand moi je charge, non, tu veux dire? Sûr. Ouais, quand toi tu charges. Il peut bloquer. Ah, il faut esquiver. Ouais. Non, il peut bloquer, il peut esquiver, il peut tout faire. Je préfère me foutre. Tu peux le faire tomber, tu peux y arriver, mec. Oui, non, mais. Ah ouais. En vrai, je vois aucune différence avec ton gameplay de Spadassin qu'avec le mien de tout à l'heure, quoi. Pour le attends, coup, je vais essayer un truc. Trop de... Franchement, c'est même niveau. Quoi. Hop là. T'es impressionné ou pas? Dans la gueule. Oh, attends, il y a Max, il tente de faire le For Honor Champagne, là. Attendez. Il tente des choses. Allez, là, j'allais. Fume-le. Ok, c'est bon. Ouais. Mort. Allez, on va faire ça proprement. Comme il se doit. Oh, oh c'est quoi? Quel bâtard! Oh là 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 là! C'est stylé hein! C'est le For Honor Champagne, les amis! Après, s'il avait été. S'il était vraiment chaud au jeu, il m'aurait perfect, mais bon! Okay, j'avoue, il met des saignements. Mais comment tu venais faire les saignements là, Max? En fait, tu fais une chop. Après, t'appuies dans le bon timing sur les attaques légères. Là, tu vois, il est en train de saigner comme une énorme merde. Ouais, j'ai plus joué Spadassin, du coup. Non mais c'est dur Spadassin, ouais. Ouais. Non mais je sais pas pourquoi. Oh, il a voulu me. J'ai senti pousser des ailes.
Eh ben, on est dedans, je crois. Non, là, mais en fait, dès qu'il va me recevoir, il va mettre ma chaîne. Ah oui, okay. Et voilà, on est en live. Bon bah on est de retour, je sais pas pourquoi ça a bugué. Du coup j'ai gagné, malheureusement vous avez tout loupé quoi, parce que je suis là. C'est trop dommage quoi. Très bien. T'es vraiment, t'as été chaud. Du coup victoire pour ma part, Gigi tu vas en loser bracket, donc le premier, on va faire les matchs losers là pour le moment. Alors quels sont... Allez bah c'est parti hein, j'ai envie de dire. Quels sont ces matchs loser bracket? Alors, ça match loser bracket, is... Non mais attends... Is. Hugo oh contre Rive. Attends. Oh, moi j'ai Faya, parfait. Faya et moi, on a le même temps de jeu. On a eu les mêmes conseils. Prenez un gardien facile et mettez des coups lourds. Coups lourds. Voilà. D'ailleurs, on a pu le voir, les résultats sont probants. Merci Max. Max, on l'a fait le 3-0 dans le milieu. 3-0 par Jumpek, avait joué 4 minutes. Merci. Bah, il a joué quoi? Il a joué la même chose que toi hein. Ouais, mais juste sur son téléphone. J'ai joué intelligent, ouais. Quoi. On a dit quoi du coup hein. C'est Hugo contre qui? J'ai oublié. C'est contre... pas. Mais non, Hugo, c'est il est pas en loser. C'est si, moi. C'est Rive contre Hugo, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Hugo, tu perds pas, on se retrouve en finale, hein, mec. Ta gueule. Oh du ton. En vrai, j'ai mes chances contre. C'est violent, quand même. Ça fait mal, hein. J'ai invité Rive, hein. Ouais, j'arrive. Qu'est-ce qu'on va vous mettre comme petite carte? La forge, bah oui. Ah. La forge. Non. C'est beau. Ça va, tout marche bien dans le chat, c'est ok, y a pas de souci pour le moment, ça tient. Bon, pourvu que ça dure, j'ai envie de vous dire. Super pour l'appareil photo. Ah c'est bon, je suis là. Ouhou, mamma mia. Putain, j'ai le live hub il marche plus mais tu t'en fous hein. J'ai le crâne qui va exploser. Tu peux me réinviter s'il te plaît Max s'il te plaît. Ah putain. Es-tu contaminé? Salut tout le monde, je vous souhaite bon appétit. Je suis devant un steak façon bouchère. Un petit verre d'eau. Tu casses les couilles putain. Tu casses les couilles hein. Tu m'as régalé. On est bon, ouais on est bon. Allez let's go. Comment il va? Non mais attends. Mon steak façon bouchère. Non. Un petit verre d'eau. Oh, arrête du train. Ah non, pas encore. J'ai cru voir le truc. Je vais aller sur le stream de Amourante, moi, je reviens. Est-ce qu'elle fait du bateau? Bah, elle dort pas. Elle est dans sa piscine, non? Bon, Hugo, tu me fumes comme d'hab. Allez, on y va. Je sais même pas quoi prendre. Bah, moi, j'ai changé de perso. Sachez que j'ai trade quelque chose d'autre. Je prends Shinobi. Non. Mais non. Oh non, trop chiant. Comment on fait un Rivenzi, c'est pourquoi? Il faut taper en même temps, c'est ça? Non, pas le Shinobi. Oui, c'est ça, Xav. Oh, mais je vois que le timing est chiant. Hein. Ouais, je vois. C'était quoi ta question, Xavier, pardon? C'est comment faire un contre. Un contre c'est parfait, tu veux dire au moment, quoi. Ouais, c'est au moment. C'est une attaque lourde rouge. Dans la bonne direction au moment ouais. Où le marqueur rouge flash en blanc. Ouais. Ah, mais ouais, c'est chaud. Non, ça va, en par vrai, contre... y a c'est un timing, mais. C'est juste que contre un perso comme celui de Max, c'est abominable parce qu'il va trop vite son perso. Ouais. Et comme moi j'ai 13 minutes de jeu, malheureusement j'avais pas trop le temps de penser. Oh Hugo il régale. Joue Shinobi. Juste avant de commencer ça, tu sais Max que dans le jeu il y a un mode spec hein, pour le coup, si t'as envie pour le prochain. Oui parce que oui c'est vrai, j'ai lu ça tout à l'heure Max. C'est cool ça. D'avoir... Non parce que c'est con de mourir et tout, c'est pas très pro je trouve personnellement. Oui c'est ça, c'est un peu long. D'ailleurs quoi, est-ce que tu t'es maquillé pour le live Maxime? Allez chier. Allez chier tous ensemble. J'en viens. Ah oui, bah allons-y alors. Là, au secours. Attends, il faut tuer Max. Attends, j'arrive, je dois pouvoir me suicider ou un truc comme ça, non? Putain, on peut pas suicider, ça casse les couilles. Vas-y, t'es où? Tue-moi. Ah, il est là. Vas-y, fume-moi, jette-moi dans le vide derrière moi. Là. Casse-toi là. Terminé. Allez, bonne chance. Oh oui, il s'attaque direct. Aucune race ici. J'ai pareil le jeu, hein. Ubisoft. Yves Guillemot. Tu peux demander à Maxime d'un Ubi. Oh mais Hugo, tu te fais laver le cul, gros. Je sais pas contre qui tu es, mais le mec est monstrueux. C'est Rivenz. Ah ouais. Monstrueux, en fait. Bien joué. C'est ça, mourir, c'est ça. En vrai, c'est un truc que vous pouvez pas trop reprocher au jeu, c'est la réactivité, quoi. Genre, en gros, quand tu rates, c'est de ta faute, forcément. Ouais. Y'a pas de. Ah bah, les contrôles, y'a pas de blague, hein, on a bien vu. Hein. Vas-y, fume-moi. Soit t'es bon, soit t'es pas bon.
Oh oui. Oh, mets-moi ton gros coup de pied. Ça va, ça va. Oh, ton gros doigt de pied. Mets-moi ton gros doigt de pied, s'il te plaît. Oh, là là. Oh, gros, ce que tu lui as mis. Tu l'as marché dessus. Trop chiant, ce truc. Putain, mais moi, je suis contre Zulu, après, du coup. Oh. Ouais, je crois que t'es après contre Zulu. Oh. Ah, il est trop fort. Il joue quoi, Zulu, déjà? Il est trop fort, en plus. Là, il a 3 dégâts. Attends, c'est quoi le coup que t'as fait, Godelir? C'est trop fort, Hugo, là. C'est trop stylé, ce que t'as fait. C'est ouais, Léo le... ou c'est Shinobi, oh, en fait. Merci, tu régales, enfin une exécution. Oh, merci. Fuck. Comment ça, enfin une exécution? Oui, Xari, t'en as fait une, c'est vrai. Mais c'est violent, le jeu, il lui a coupé la tête. Ouais, c'est choqué, quoi. Ok, je me suis fait détruire cette deuxième manche. Ouais. Si vous avez du temps, quand vous jouerez plus, j'invite à aller jeter un œil aux exécutions des persos dans le mode personnalisation. Vous allez voir qu'elles sont magnifiques. Elles régalent. Ok, ok, Goomer. Elle. Un partout. Elle me régale. Tu m'as régalé. Alors. Vas-y. Run. Il est horrible. Ce con. Run to the Cagouins. Où est-ce qu'il est? Il est à ta droite. En fait, vous vous tournez autour d'un putain de poteau. Limbo, deux secondes. Papa travaille. Papa pourri des. Papa pourri des chaînes vocales. Allô? C'est le télétravail. Oh, mais il arrive! Midlife! Double midlife ici! Oh là là, c'est tendu! Oh, c'était beau ce qu'il a fait, Reeve! Il a complètement contré l'attaque à distance ici, Hugo! Oh, et le poison, malheureusement, qui va faire son effet. Oh non, ça dégoûte! Oh, il a son dommage! Malheureusement. Malheureusement, tu saignes! Tu saignes en fait, Reeve, je suis désolé. T'as saigné. Ouais, ouais. Tous les persos peuvent faire des saignements ou il y en a que certains? Non, que certains. Moi je sais pas comment faire la chope en fait. C'est compliqué, quoi. Bah tu fais X, comme ça et après tu te fais pousser comme une énorme merde. Et... Allez. C'est contré ici. Première attaque. Peut-être essayer. Oui, de le pousser ici dans le vide. Malheureusement, il aura pas la distance nécessaire. Il est trop loin. Non, ça dégoûte. Elle était trop loin, malheureusement. Ah, dommage. Oh, joli TP ici sur le côté. Alors, pour faire une TP avec le shinobi, c'est double esquive. Hein. Oh là là. Oh non, je voulais faire mon combo. Non, je peux pas. C'est vraiment sympa ce que vous faites. Putain, Hugo qui commence à prendre les combos, ça fait plaisir. Peut-être une attaque lourde ici pour finir son adversaire et nous gratifier d'un petit finisher. Putain, mais Hugo, il s'est éjadé. Ouais, il fait quoi? Il a pris. Il est là! Il est trop bon! Hugo, je me fais détruire. On quoi. Les épis. Bah, ouais. Hugo Hugo qui continue en loser bracket et alors que Rivenzi. Il arrive en finale, hein, ce mec. Non, mais ouais, je peux te dire que là, il n'y a pas un mec qui va lui passer, c'est tout. Je me suis régalé, quoi. Rivenzi, t'as pas tout à fait fini. Évidemment, t'auras le barrage pour les nuls, donc ça régale. Nice. Bah, bel après-midi. Barrage pour les nuls, c'est pour séparer le dernier et l'avant-dernier. Je sens que le recap weekend va faire une excellente prestation sur Je sens que For Honor, this is a war game, je le dis. C'est quoi, vous avez choisi quoi comme jeu? Moi j'ai pris Golf Hit. Ils ont pris Call of Duty et Overwatch, donc merci quand même. Putain, ça par contre, Call of Duty, ça va régaler. Alors, on enchaîne avec. Je vais mettre à jour. On enchaîne avec Jiraiya contre Faya. Quoi, Capricode, Faya. Jiraiya, Faya. Oh oui. là, Faya, putain, Mario. Warcraft 3, je me suis fait insulter. Ah oui, t'as pris Overwatch, c'est vrai, putain, j'avais oublié. Bah, c'est moi qui ai pris Call of. Oui, après, il y a un mode 1 contre 1 contre 1 contre 1 à 8 dans Overwatch. Et donc? Ouais, mais ça doit être horrible. Et on fait pas ça? Bah, je sais pas. En fait, c'est Faya qui décide. Chacun décide un peu de son mode de jeu. Mais vous fumez, monsieur. Bah. Non, parce qu'il y a un mode free for all à 8 quoi. Mais de quoi tu parles là? Oui, mais en fait, ce qui était rigolo avec Overwatch, c'est comme c'est un jeu où t'as des pouvoirs, c'était peut-être sympa, tu vois, de pouvoir prendre un support et d'aider un autre mec qui prend un perso pas du tout support. Mais on fait une team avec Hugo, les rois du paf, on va gagner quoi. Voilà. Ah, quoique, mais après, le problème c'est qu'il faut pas que si Ravens et Fire sont ensemble, on est pas bien. Bah, voilà. Alors, là, ça va se jouer sur CSGO. Je vous ai mis sur For Honor, ça pose pas de problème. Je vous ai mis les règlements sur. Mais non, mais c'est le but. En gros, le but c'est que tu gagnes sur ton jeu. Ouais, t'inquiète que sur Mario Tennis, je vais faire du 8Z hein, gros, je vais absolument pas te laisser une seule chance. Oui, c'est vrai que Mario Tennis ça va être bon. C'est quoi le chiffre? Je me rappelle plus. Attends, les gars, vous parlez tous en même temps, c'est terrible, hein. Vous vous rendez pas compte. Non, je pense que c'est cool, en fait. Désolé d'enculer le vocal, mais... C'est ce que les gens aiment. Regardez, ils sont en train de spammer, mais merci encore. Regardez toutes les emotes loul dans le chat, tout le monde est hilar.
C'est vrai. Même moi, je mets une Imotlou là. C'était gosse. Non, là. Ça n'empêche, j'ai téléchargé code là, 180 gigas. Ah, ça fait mal, hein. Moi, j'ai mis 9 jours, j'ai pas la fibre. Déjà, moi, ça m'a juste fait. Ça m'a fait chier de le payer déjà. Hein. Mais non, il était gratuit. Qu'est-ce tu... De quoi tu parles? Mais non, le mode 2v2, on va pas envoyer. Ah oui, il a fait le mode 2v2. Oui, non, excusez-moi. T'as craqué ou. Bouffon rip. Excusez-moi. Non, mais ça va. Alors que moi je me fais chier, hein, contacter Ubi pour vous avoir des clés gratos. Qu'on remercie d'ailleurs Ubi, merci. Ouais, on remercie après leur jeu, on va pas se mentir que là. Et... Allez, Faya, j'ai sorti mon main, Faya, ouais. Il était gratuit pendant un temps, maintenant il l'est plus. Fallait le choper au bon moment. Ah, merci, non, je pensais non, que c'était free to play. Faya, tu joues le même perso quoi mais... Bah ouais, c'est ce que le chat m'a conseillé. Ah vas-y, ça dégoûte, moi j'ai pris un perso random exprès. Putain, je vais m'en veux pas, Xari, tu m'en veux pas, hein. Non, bah... Il est dur mon perso à jouer ou pas comme, Max comme il est gros, je me suis non, il est ok. Ok, ça va. Attends, faut que je me tue. Du grenier, il fait mal quand même. Hein. Attends, si tu vas sur les scies, tu meurs. Oui, vas-y, pousse-moi sur la. Bah attends, je vais te montrer, pousse-moi sur la scie. Viens, Faya. Faut que tu me tues. Hein. Attends, je vais te tuer sur le stream. Non, mais. Non, faites gaffe, faites gaffe. Tranquille, vas-y, lock-moi. Dernière. Choque-moi, pousse-moi sur la scie. D'accord. Bon, tu veux que je te pousse, moi. Refais X. Faut que tu fasses. T'as fait une deuxième mais non, fois mais X. On est dans la même équipe, je suis con. Faut pas moi tu fasses X plus X pour le voilà, refais X. Voilà, et là tu me scies la gueule. Voilà, bien joué, t'es trop fort. Petit tuto. J'ai gagné là. Non, maintenant faut que tu tues Jiraya quoi. On va finir là. Bon, allez, Faya. On a bien rigolé. Terminé les bêtises. Putain, il est stylé le perso de Jiraya par contre. J'en fous, il est. Ouais, la méga épée. Bon, par contre, il est lent, je vous préviens. Il fait très très mal, mais par contre, il est d'une lenteur. Attends, tu m'étonnes qu'il fait mal, j'espère bien, oui. Par contre, sa stamina. Oui, beau bloc ici, Gigi, tu régales. Plus de stamina. Plus de stamina chez Faya. Oh, il l'a détruit. Si tu finis avec une attaque lourde, merci de nous régaler d'une exec. C'est X ou Y, les execs. Par exemple, là. Oui, tu régales. À deux doigts de te sucer, Gigi. Ça fait plaisir. Ragnar. Masterclass, hein. Première victoire, Jiraya. Il va peut-être jouer contre Hugo, hein, derrière, du coup. Ah oui, mais là, Hugo, par contre, c'est... Non, je déconne. En fait, vous allez jouer contre le perdant du... Step-up. Ah oui, c'est vrai. Vous allez jouer contre le perdant du winner bracket. Faut que tu viennes me fumer, Faya. Vas-y. Ouais, je t'attends. Donne-moi tout. Je t'attends, ouais, je t'attends. Bah écoute, je t'attends. Mais tu ne viens pas. Mais tu n'es pas là. Ah, je suis toujours pas mort. Ça ne m'a pas fini. Je suis désolé, mais ça ne m'a pas fini. Oh merde. Vas-y. Oh là, bah oui, bah après, je peux pas gagner dans cette position aussi. Tu vas mettre une petite attaque légère. Tu peux te heal avec ton perso, mec. Ah, dommage. How? Comment il se heal? Je te laisse me porter un coup. 3 fois X, un peu. Voilà. C'est bon, nous sommes à égalité. Bon, c'est bon, allez. Salut, et on est parti. C'est parti. Allez, Faya, redresse-toi. Lève-toi et marche. Oh, les dégâts, gros, les deux, vous faites trop mal. Hein. Oh, il s'encule. Ah oui, disons, j'étais surpris. En fait, il y a certains coups qui sont pas parables. Donc, il faut faire soit une parade parfaite, soit une esquive. Et bien sûr, pas de soucis. Et j'ai quand tu vois que le mec brille en jaune, c'est que ça sent pas bon. C'est pas ça, c'est juste que comme tu l'avais tapé, je trouvais ça juste qu'il me tue en fait. Allez, enfin, vas-y. On peut pas faire un piqué ban la prochaine fois. L'idée c'était pas de tryhard. Moi j'ai deux persos la... donc. Bon, il va mourir. Non, mais juste. Faya, il est en train de juste tape-moi. J'ai un perso. Ouais, mais j'ai voulu faire ça bien. Ouais, je comprends. Tu peux appuyer plusieurs fois, il y a des combos. Voilà. Merci. Merci de tout me mettre. Alors, Jiraya, Faya, troisième manche. Il y en a un qui a été plus rapide que l'autre. Vous pouvez vous pousser, hein. Ça régale. C'est beau. Bon, oui, la parade parfaite. Oh, tu régales, vas-y, fume-le au sol. Par contre, attaque sur les côtés parce qu'il t'attaque tout le temps en haut. Il te voit venir. Bien joué. Oh là là! Il l'a envoyé valser à 1000 km! Ouf! Oh, c'est magnifique, tu régales, putain! Ouh, j'étais en transe, les amis! 2-1 pour Jiraya qui est inarrêtable, hein, ici. Allez, tu t'accroches, Faya. C'est magnifique. Ça se joue maintenant. Magnifique, taf. C'est maintenant ou jamais. J'ai l'impression. Ah, tu régales. Faya, en tout cas, quoi qu'il arrive, je tenais à te dire que c'était un honneur de combattre contre toi. Pareil, putain. Malgré le confinement, ton personnage continue d'aller au McDonald's et ça, c'est bon.
Grosse femme. Et pas que le perso, bordel. C'est fermé, du coup, le McDo, non? Exactement, c'est le principe. Parce qu'il y a le drive qui est offert, couvert. Ah, ça va. On n'est pas offert, le drive. Non mais tu peux, en gros tu peux pas, tu peux te faire livrer mais tu peux pas y aller. Non mais parce qu'il a compris que t'avais dit offert au lieu d'ouvert. Ah. Ok, j'ai retraîné avec mon perso, je suis prêt à me faire 3 heures. Allez, bloque bien la faille, allez. En fait ils font les mêmes coups les deux. Ouais c'est ça, sauf que oui. C'est vraiment bataille de forain. C'est bah, grosse bataille de forain là. Qui tapera le plus fort là contre 3-1 pour Jiraya qui l'emporte ici non. Sur ce duel. Ça dégoûte. Et devinez ça ce qu'on va. Faya. Et là on va régaler. Merci. Parce que là c'est Zulu. Bien joué mec. Zulu contre Xari. Oh là 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 là. Zulu qui s'est entraîné là. Quel âge bien joué. Bien joué Xari, Zulu a rien pu faire franchement. Bah c'est fini hein Zulu. Zulu ton jeu c'est quoi, c'est Dofus? Non, c'est TFT. Ah c'est d'accord. C'est un jeu marrant, c'est vraiment pas un jeu que je maîtrise hein mais c'est vrai que c'est super drôle. T'as raison en vrai. Mais non, mais c'est un jeu auquel on peut jouer à 8 en même temps. C'est très bien, Zulu, c'est très bien. Personne ne critique trop. J'ai pas pris Smash et j'ai pris Golf Hit, c'est justement pour ça, mec. Je veux juste qu'on soit tous comme des amis en train de jouer ensemble. Voilà. J'ai pris Mario Tennis, c'est juste pour. Tout ce qui compte, c'est qu'on s'amuse. C'est qu'on s'amuse en ces temps moroses de confinement et qu'on vous change les idées. Voilà. Et là, tu t'es amusé, Faya, bof. Pas trop. C'est le nouveau set en plus de TFT, donc tout le monde. Ça t'a changé les idées, Faya, un peu ou pas? Non, mais le nouveau set il arrive mercredi, je crois, et on fait le J'ai envie demain. De sortir de chez moi. Ah bah attendons. En vrai, on peut attendre. Hein. Si vous voulez, on peut inverser deux jeux, ça me change pas grand chose. On peut jouer comme si vous voulez. Sur TFT, il y a un tutoriel ou il y a rien du tout? C'est direct dans la forêt? Non, tu peux faire une game normale en vrai si tu veux. Ouais, tu peux faire. Il y a pas de tuto. Non. Ok, c'est très simple en vrai. Enfin, c'est très simple, là, tu tapes TFT Builder et puis tu vas chercher tous les guides sur internet en même temps que tu. Exactement. Okay. Après, c'est ça qui va être intéressant, c'est que du coup, si on joue sur le nouveau set, les tutos, tu te les mets au cul quoi, parce qu'il faudra le temps mais que les gens c'est découvrent. Si on joue sur le nouveau set, du coup, on est tous nas quoi. Ouais. Non, il n'y a pas de TFT sur Blitz, Xari par hasard? Je sais pas, mais il doit avoir des builds sur TFT, c'est sûr. Ouais. Ok. Il joue le mec quoi, de base. Ton personnage c'est le. Je peux c'est pas le dire. Chevalier de base, ah mais si, c'est celui que t'as joué tout à l'heure. Ah, ouais. C'est le chevalier de la table ronde. Le sentinelle. Alors oui. Un secret de pique pour la finale. Vas-y, suicide-moi s'il te plaît. On va dans l'arène. Zulu a annoncé la couleur quand même. Il a dit je traîne un secret de pique pour la finale. Donc, hop là, on est pas mal. Beau gosse. Allez, c'est parti, Xari, Zulu. Allez, bonne chance. Mais quel connard. Mais il est où? Il se cache. 45 ans. Je te vois, Bolos. Allez, viens, Xari. Le Bolos. Oh, belle esquive ici. Tu fais quoi là? Eux, ils savent jouer, ça va être mort. Ok, sympa. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, par contre, là. La Zulu, tu as passé un bon moment parce que t'as plus de stamina, t'es par terre. Oh là là. C'est les burnes incomprises là. Oh là 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 là. C'est terrible. Vous êtes malin. Oh les dégâts. Oh non, il s'est fait lever. J'ai pas hâte d'avoir Xari en finale, il va me fumer ma mère. Par contre, est-ce qu'on peut appeler Ubi là? T'as frappé à travers l'arbre? Ouais, j'ai pas Tu m'as nexté comme si j'existais pas, Max, mais t'inquiète, en demi, je te fume. C'est vrai que c'est beau ça. C'est vrai que je t'ai nexté un petit peu. Dans Discord là, parce que ça va pas. Attends, faut que tu Xari. Mais en fait, on va à une zone où il peut me jeter, ça va plus vite. Oula, j'allais tomber. Ce serait dommage. Derrière toi, Xari. Je rigolais. Je rigolais, tu sais, doucement. Bah, je te laisse jouer si tu veux. Je t'agresse pas. C'est l'homme. Les imitations zoulesques. C'est toi le master. Et déjà, plus d'endurance hein, sur Zulu. Si Zulu qui gère très très bien sa stamina en soi, le joueur. À chaque fois que tu fais une roulade, c'est un tiers de ta stamina qui part. Bah, bon, t'es obligé contre le groupe. Mais non, tu fais une parade parfaite et tu lui baisses sa grosse merde. Voilà. Oh non. Dit comme ça, c'est un peu violent, mais bon. C'est un peu vulgaire. Non. C'est l'homme. Non mais. C'est l'homme. Ça, c'est non. Oui, peut-être. Et non. Alors peut-être. Le joueur FR. Oh, putain. Oh il a récupéré de la vie. Mais c'est pas fini. Il a mangé. Oh, il a plus de stamina. Il a plus de stamina. Allez Zulu, on y va. Hein. Ah non. C'est fini. Adieu. Bam. Oh, les burnes qui ont éclaté ici au sol. Ah. Boum.
Aïe, ça pique. Putain, c'est dommage, Zulu, t'as... Ouais, t'as il avait bien géré. Par contre, apparemment, il y a une mise à jour. DP, ça m'a fendu en deux. T'as vu la technique, ta technique, Xari, ça ne finit plus le mec, en fait. Ouais, apparemment, ouais, c'était pété, c'est fini. C'est nerfé. Ça te rend quand même un peu de... Je crois que ça te rend ta stamina, donc c'est pas mal, quand même. Ouais, ah ouais, pas mal. Mais c'est très dur, hein, c'est très dur à mettre. C'est dur à mettre. Si tu la rates, t'es déçu, quoi. Enfin, c'est pas dur à mettre, mais c'est facile à esquiver. Donc... Mais non, mais faut que j'arrête ça, putain. Oui, faut que t'arrêtes, là. J'ai l'impression que peu importe oh, le jeu... Oh, le coup imparable ici qui a été mis par Zulu. Calme-toi. C'est bien joué. Pendant que je faisais mon coup. Ah, il a mis deux light. Alors, faut savoir que le perso, oh, putain, le perso de Xari n'est pas interruptible. Tu vois, donc c'est-à-dire quand il... Bah, ça dépend, il est interruptible, voilà. Mais pas quand je... Quand il charge certaines attaques, tu, ça sert à rien de le taper, il va quand même te la mettre dans la gueule. Donc du coup, faire des light, ça peut permettre de le fumer avant qu'il tue. Parce que si c'est un match miroir, il s'interrompt. C'est juste qu'on fait tous les deux le coup et on peut... Le premier qui a mis le coup, touche. Ok, quoi. Ça marche. Allez, Zulu peut-être ici pour l'égalisation face à Xari qui... Oh, envoie valser directement derrière, juste au-dessus de la troisième corde. Oh, le home run. Allez, le home run, il fait très mal. Bah, il est énervé, là. Oui, ouais, il va en découdre, là. Ouais. Ouais, le coup imparable ici, ça passe, c'est bien joué. Oh, ça peut jouer là-dessus. Ça peut jouer là-dessus avec une égalisation de Zulu. En fait, c'est les coups imparables. Putain, bien joué. Oh là là, le bon... Ok. Okay. Cinquième. En fait, le truc, c'est que Zulu, je viens de comprendre un truc, c'est que Zulu ne part jamais. Non, il attaque juste. Ah oui. C'est-à-dire que je l'ai jamais vu par une seule fois, du coup, ça sert à rien d'essayer de le... Le brave. De m'insulter. Ouais, non, mais c'est bien, tu me baises, hein. Mais juste que du coup, je me fais baiser par moi-même, quoi. Ah, des fois, on a l'habitude de jouer contre un certain type de joueur, et quand on tombe sur quelqu'un qui fait complètement autre chose... Comment t'as réussi à avoir mon truc imparable, hein? Eh bah, ouais, le truc imparable, tu peux faire une parade parfaite contre. Tu peux pas faire une parade normale, mais tu peux faire une parade parfaite. C'est l'homme. En gros. C'est l'homme. Tu peux pas faire de parade, mais tu peux faire un con. Mais Zulu, mais quel monstre! Ouf. Plus de stamina sur Zulu encore. Qui abuse complètement. Oh, bah attends, Zulu. Cours, cours! Pourquoi cours? Oh là, il s'est volé. Non, c'est bien! Oui! Par contre, t'as plus de stamina encore, gros. Parce qu'il attaque trop. Mais oui, il fatigue. C'est le roi des bouffes, quoi. Oh là là, l'erreur de Xari qui va peut-être lui coûter cher là-dessus. Oh, la victoire de Zulu. En fait, tu savais pas que quand le mec était au sol, tu peux pas le choper. Aïe aïe aïe. Non, il faut le choper quand il est debout. Ah, mais je pensais que tu pouvais le choper au sol, tu vois. Bah, il y a peut-être un combo avec ton perso, mais je le connais pas. C'est juste que j'ai mal joué, je mérite. Bon. Eh bien, Zulu qui surprend son monde. Salut. Et Xari qui va en loser ici. Il surprend, hein. Il surprend son monde. Du coup, je rejoue direct là contre qui? Non, là c'est Jumpé Maxildan là. Ah ouais, okay. C'est l'heure de la fessée là. Oh, c'est l'heure de la fessée. Tu peux baisser la culotte, hein, Jumpé. je préfère rien dire parce que je peux faire de la merde. Donc c'est vraiment un jeu où tu peux te faire surprendre. Oui, ne sois pas trop humble. Je préfère rien dire, mais j'ai seulement plus de 1300 heures de jeu ici. Je fais la prise et tombe du terrain 3 fois d'affilée. Allez, Jumpé, allez! Dégoûte, allez. Je vais pas me laisser avoir, allez, je vais exactement le même perso. Allez, Jumpé. Ouais, où est-ce qu'on va jouer, je sais pas moi. Tiens, hâte le prochain match. Allez. Je vais faire prout, Jumpé. À nous deux, Jumpé. Allez, Max. J'espère que t'es prêt à te faire... Ouais, allez, Max. Propulser pour la finale. Ouais, c'est ça, c'est bien. Allez, Max. Max, allez, faux Max. Modeste. Mais non, je me protège d'une éventuelle lose, tu vois, pour pas que vous fassiez... Alors, on est fort. Voilà. Donc tu es un faux modeste. Non, moi, je suis un joueur clavier, hein, donc je suis... Oui, il y a les excuses vite. Ouais, on les connaît, les excuses. Je suis joueur mobile. Hein. Bah vas-y, Maxidane, joue notre personnage pour voir. Si t'es je sais jouer que celui-là donc. Oh, oui, bien sûr, évidemment. Mais il est stylé d'ailleurs, ton perso, je trouve très rapide. Après, on est d'accord que ton perso, s'il se fait toucher 2-3 fois, il explose. Non, ah, j'ai 2 points de vie, hein. Concrètement, je fais 2 erreurs, j'ai perdu. Monte au filet, je me fais monter. Mais comme tu fais absolument aucune erreur, voilà, trop fort. Tu vas faire Max, toi, tu esquives, tu fais pas trop de contre en fait. Je peux esquiver ou faire des deflects, ce que je vais essayer d'en faire. Allez, comme au paddle, ils vont pas mettre un set trip. Deflect, c'est quoi déjà? C'est comme ça. C'est je dévie l'attaque pour aller au corps à corps contre lui et lui mettre du poison. Première manche. Ah, c'est ça. Et si on met ton attaque, ça marche pas du coup. S'il annule, ça marche pas, il peut me bait.
T'en dirais un type de sushi. Max, c'est gros. John Pay trop fort. Réel, quoi, genre. John Pay. Mais il est trop fort, John Pay. Oh, mais Junpei, il nous régale. Oh là là, Junpei. Par contre, les contres sont très très mal. Honnêtement, Junpei. Oh, il va me fumer. Bien joué. Le nulos. Oh là là, Jump. Oh, le crack. Regardez le seum. Putain, j'ai chié sur ma chaise, je crois. Max, on te veut pas en loser, donc si tu peux gagner, s'il te plaît. Ça va. Maxidan. Jumpé, je suis là, hein. Maxidan sur son propre jeu, 5ème. Et où le fond modeste. 5ème. Nul. Jumpé, il était quand même en mode, il est où le mec? Allez, la Jump. Allez, Jumpé. Le poison, ça met tellement de dégâts. Ah ouais, c'est horrible le poison, les dots. Putain, que ça met, gros, c'est horrible. Ah oh oui, c'est. Mais en fait, le perso de Max fait quand même pas mal de dégâts. Ah oui. Je crois que le perso de Jumpé, il a pas beaucoup de vie non plus, mais. Mais en fait, en gros, c'est dès que tu fais les saignements avec ce genre de perso, mec, c'est super close. Attention à ta stamina, tu peux le déflect. Ah, c'est tendu, hein. Max, en vrai, il fait pas trop le mal. Il parle pas plus fort. Il en a mené. Max Sildan, ça faisait moins de 3 secondes que tu parlais pas, j'ai failli quitter le stream. Ouais, je comprends. Il regrette de pas être resté en slip, Max. J'essaie de faire des deflects, mais putain. Non, mais juste gagne, gros. Enfin, joue pas beaucoup, hein. Parce qu'il te lave, en fait, donc. Ouais, et là c'est fini le For Honor Champagne, là c'est For Honor pragmatique là. Ouais. For Honor, pas de stamina, refleux quoi. On va aller en finale quoi, genre. Mais par contre, je comprends. Dès quoi, je comprends pas, le perso a pas de stamina, tu le fais tomber, il récupère. Là, c'est dur à parer cette merde là. Oui, surtout quand t'es de dos en fait, c'est. Mais non, mais tu me parlais de dos, je comprends pas, j'étais de dos et ça part. Mort de froid. Il est mort de saignement. La menace du loser bracket là, fermez-la. Oh là là, tu es toléré ici, Jumpé. Ah putain, mais attends, Jumpé, son jeu en plus c'est Rocket League. Oh. Est-ce que vous pouvez me mettre dernier? Je participe pas. C'est vraiment le pire jeu. Je crois que c'est vraiment le jeu que je déteste le plus au monde. Ah non, je rigole pas. Bien joué. Allez, t'aimes pas, mais. Bon, je vais arrêter les deflects parce que ça se passe mal. Oh là là. Machine à laver. En plus, le pire, c'est que Jumpé, il t'attaque qu'avec des lights, quoi. Mais genre, parce que je fais de la merde, ça va. Mais comment tu comptes les lights, en fait, du coup? Bah de la même manière. Ouais, tu fais les comptes, mais du coup, comment... Non, mais je veux dire, comment t'as une fenêtre après pour riposter, tu vois? Attends, ne lui parle pas, là, il est trop concentré. Oui, clairement. Attention, je parle pas forcément à Max. 1, 2, 3, je quitte le stream, c'est pas ton métier. Chiant. Attends, c'est chaud, hein. Oh là là, il se fait détruire. Alors peut-être. Allez. Ah oui. Alors peut-être. Oh là là. Oh, il va mettre un combo là. Oh là là. C'est chaud. Oui. Oh là là, c'était tellement close. Max en full célèbre. Et les modes ton t-shirt, Max, c'est bon. J'ai full transpi, putain. Oh là 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 là. Jumpé qui en a un bel adversaire en loser ici. Hein. D'ailleurs, Jumpé il reste, hein, je crois, c'est direct le loser. Oh non. Oh la Jump. Oh la vache. Ah, Hugo. Non, je mettrai pas, j'espère. Bah si, Hugo, c'est pour toi. Oh, hey, j'ai le cœur à 12 000 là. Oh, ça c'est e-sport. Bon match, en vrai. Mais en fait, Jumpé il a pas regardé les matchs tout à l'heure, j'ai entendu, il était en train de train ce bâtard, ça se voit. Bien joué, mec. J'ai la liste des coups, j'ai regardé, c'est tout. Tu régales. Aussi, bon, Jumpé, franchement, bravo. Merci. Très très beau, Jumpé. Très bien joué. Dommage, bro. Ça aurait été vraiment, j'aurais eu le seum. Mais bien joué. Parce que juste avant, t'as dit que je passerais en finale direct. Tu partais au Brésil 2 mois plus tard, on n'aurait pas eu ça, bien joué. Le match suivant. Il est con. C'était Jumpé encore. Jumpé contre Hugo et après Xari contre Gigi. Oh non! Oh là là, le duel! Xari. Bah, je vais jouer full poussy. Hein. T'es mort, Xari. Full poussy. Oh non, s'il te plaît, Hugo. Tu vas jouer ton Ragnar là, ça va être. Ouais, bah je vais devoir jouer Ragnar, ouais, j'ai pas le choix. Pour faire face à un tel niveau. Ça va, Rive? Le niveau est présent. Le fratricide, c'est parce qu'après, Rive et Faya, ils doivent se battre aussi à un moment. Ah oui, ouais, ce sera après. Ils sont dans le gorge, hein, donc on s'en fout un peu. Ils sont vraiment dans le barrage. On voit un peu les gagnants et après on verra le départage entre le 8 et le 7 et le 6 et le 5. Allez. Pardon. C'est l'homme.
Quand il dit pourquoi il n'y a pas de squad stream, parce qu'on continue les programmes sur le stream, on va pas streamer en face. On va pas diviser les viewers sur. C'est ça. Le but c'est quand même de faire des audiences, les amis. D'ailleurs, on vous remercie d'être nombreux à nous regarder aujourd'hui. Quasiment 6000 en vrai, hein. C'est vraiment. C'est ça vrai fait plaisir. Ouais, vraiment, merci à tous. Franchement, il y a que la gueule de Max. Quoi. Bah, je peux te dire qu'il y a que sur un event comme ça que je peux avoir 6000 personnes sur du For Honor. Ah, on est d'accord. C'est mort. Mais c'est un très bon jeu, non, essayez-le, vrai, il est cool. Est pas et par contre, vrai, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit putain, je vais le désinstaller après et tout, j'en ai rien à foutre. Non, mais le jeu est bien. Il est cool. Sympa, ouais. Tu sais que Max, on est arrivé, il a fait, hey, on joue à For Honor, et il y a quand même un mode spec. T'es laissé le mode spec, il fait ah. Ça marche pas. On va peut-être trouver une autre solution. J'ai été très déçu, je t'avoue. Attendez, parce que là, si on pouvait se taire quand même, parce qu'il y a quand même le match des winners là. Ouais, attends, faut que tu tues Max. Hein. Ouais, faut que y a tu le Shinobi contre le machin. Prends pas peur. Attends, le Max est winner. Parce que là, c'est Hugo. Hugo, je suis derrière toi, Hugo. Ah oui, d'accord. Le match des winners, c'est moi qui suis winner. Non, non, c'est moi. Désolé, wake up. La place est prise, pardon. Ça, c'est le karma Zulu. Il va perdre le prochain match. Il va perdre. Adieu. C'est bon, je suis pris. Messieurs, c'est parti. Merci de nous régaler. C'est violent, ça va être violent. Mais du coup, si demain on fait pas TFT, on fait quoi? Eh bah, on inverse avec un autre, on peut faire CS, pourquoi, on peut faire pourquoi ce que on fait tu pas TFT de... Pourquoi ouais. Parce qu'il y a le 7-3 qui arrive. Match, ah, d'accord. Okay. Si vous voulez, on échange. Si on peut faire Golfit demain. Non, go... ouais. Non, ouais, je sais pas. Il est là en mode non, il veut trade encore. Frère, tu vas nous laver de toute façon. Yves Guimau. Putain, je l'ai pas encore installé moi, Golfit. Fuck. Fuck. Non, mais. Je sais pas de quel côté l'esquiver celle-là. Et c'est parti, il y a directement un jumpé là qui essaye de s'en... Oh, il a le TP dans le dos. Non mais là, c'est insupportable là, c'est... Le TP, le TP. Eh Hugo. Je comprends même pas comment quand tu le fais le TP. En c'est vrai, Guimau. Fais des lights. Et... Ça mais jumpé trop fort. Mais en vrai, quand tu connais pas les combos d'un assassin, c'est dur hein, donc c'est un risque hein, de jouer un assassin quand même. Ouais, je sais. C'est un bon. Assassin le shinobi là. Ah oui, oui, c'est, ouais, bah, c'est le spadassin des Asiates hein, c'est... Le spad à Hugo. Enfin, je vais pas dire des Asiates, on va dire les Japonais parce qu'il y a les Japonais et les Chinois maintenant. Oh, pardon. Oula, ça va, Zoul? On est en live, hein. Bah, il est en confinement, gros. Faut que ça sorte. En slip chez lui. voilà. C'est magnifique non, ce que t'as chiant. Fait, Hugo. Oh, Hugo, tu régales. Allô, le jeu? En fait, tu peux pas choper le mec s'il t'attaque. Comme son nom l'indique, c'est un brise-garde, donc ça marche que s'il garde, pas s'il attaque. Il a été bon, hein, Hugo. Par contre, il peut lancer des comment mais tu... Mais oui, mais c'est ça, je sais pas comment parer ça. En fait, il peut charger son attaque, quand il la lâche, ça attaque en fonction de la direction que lui indique. Et normalement, c'est indiqué sur ton interface. Ah, okay. Et si par tu contre, arrives à contrer, tu peux le faire tomber par terre. Donc c'est quand même... Il y a une punition, tu vois. J'arrive. Il y a une punition en gros parce que s'il rate, tu peux le foutre par terre. Et s'il réussit, bah derrière, il a un combo, c'est-à-dire qu'il peut se TP sur toi, il peut te tirer vers lui, il peut faire plein de trucs. Mais tu le réussis, tu le contres comment? Bah normalement, tu vois la direction sur ton interface, hein, si tu dis pas de conneries. Vas-y. Mais voilà. Qui est en train de danser, Hugo là? Mais moi, tout. Je ne paye. Messieurs, c'est à vous. Allez, Jumpé Hugo ici. L'attaque qui passe. Dans le dos, le TP directement, la chope, allez, la lourde qui passe, ça fait très très mal ici, la double light. Oh, et Hugo qui est en train de prendre très très cher. Il a pris 3 attaques et il était à 2 doigts de perdre, heureusement. La light est passée. Ah putain, je pète et tu mets des tatanes de ouf, hein, putain. Ouais, mais. C'est trop stylé ton perso là, Hugo là. Ouais, trop stylé les combos. C'est Kennen ou c'est quoi là? il est classe. Bah après, il y a les nouveaux persos. Je vous invite à essayer les chinois. Je sais pas si vous les avez sur votre version, mais les persos ouais, chinois sont très très classe aussi. Il y a notamment le danseur et le grand-père aussi avec son bâton là. Il y a un moine. Il y a un moine qui joue au bâton. Il est classe. Allez, midlife des deux côtés ici. Ça a joué là-dessus, bien joué le contre parfait, la vengeance, une light, une lourde. Allez, c'est contré encore une fois. Oh, c'était très serré, mais c'est une victoire d'Hugo Délire qui continuera son combat ici dans ce loser bracket. Il s'est lâché en même temps. C'était violent. Xari contre Jiraya. Oh non, maintenant. C'est maintenant, c'est tout de suite. C'est maintenant. On va continuer à jouer ensemble. Hein. De quoi? On va continuer à jouer après le stream, je pense. Hein. Si tu veux. En vrai, le jeu est cool. Hein.
Bah, c'est très bien. Alors, vous voyez ce, que vous avez, ce qui est en train de se passer, c'est ce que je vous disais avant la LAN. C'est à chaque fois que je fais ce jeu dans une LAN, à chaque fois les gens sont en mode oh non, For Honor, pue la merde. Et à chaque fois, au bout de 5-6 combats, ils sont en mode oh, en vrai, c'est cool et tout. Non, je l'écoute, par contre, je vais quand même le désinstalle. Hein, mais bon, il faut m'inviter là, monsieur. Ouais, je t'invite, alors, Xari, c'est bon. Et Jiraya TV. Par contre, j'ai plus de son sur le jeu, c'est chiant ça. Ah, relance. Pas très utile, t'inquiète. Si, c'est important. En vrai, Non, non, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. Choix de carte. Qu'est-ce que je vais te mettre? Je vais le relancer. Le pont. C'est un beau duel de gros tas, magnifique. Mets-le dans du riz, le For Honor, si ça marche pas, mec. Au crépuscule. Ah, j'étais sur le mauvais périphérique. Messieurs, je suis plus dedans, si. Si, t'es là, t'es avec nous. Ah, d'accord, je me voyais disparaître. Le groupe est en cours de lancement, tout va bien. Vous avez rejoint la session. Ok, on va se rixer la gueule. Ok, je vais partir du côté là. Du coup, Gigi, c'est toi qui auras l'honneur de me bolosser le cul à chaque début de game. Ah, pas de problème. Je vais sortir Ragnar. Ah, quelqu'un qui dit, mais c'est... La fin du créneau, déjà, c'est 16h, c'est ça? C'est 16h30. Donc on a encore une heure pour refaire tous les matchs restants, ça devrait aller. Ça devrait le faire. Ça dit quoi, Hugo, de ton côté? Peut-être qu'on peut... Ça se passe plutôt bien avec mon Shinobi. La grande finale, on peut faire un BO3 de... Ouais, j'allais dire, on peut faire un BO3 de BO3, peut-être. Ah, c'est obligé, s'il y en a un qui arrive, mon dieu. BO7 de BO9 aussi. Non, mais de base, c'est des BO5. Donc si tu fais un BO3, c'est juste en deux manches gagnantes. De BO5. Première main. Vas-y, tu peux me jeter dans le feu si tu veux, Gigi. Oh là, je peux te pousser. Vas-y, tu rappuies. Voilà. Je brûle. Et tu es mort. Voilà. T'as Jiraya, son perso. T'as pète la classe, vas-y, perso, ouais, c'est clair. Mais gros, son épée est plus grande que moi dans la vraie vie. Tiens, dans ta mère. Ah oui, elle est bien cette arène. T'as essayé d'apprendre des combos. C'est bon, je vais mourir. Non, je vais mourir. T'as essayé d'apprendre des combos un peu Gigi ou pas du tout là? Non, pas du tout, je regardais les matchs, j'étais juste dans le. Je veux rester à égalité avec. T'es dans le live, ça fait plaisir, mec, tu fais plaisir. Allez, c'est parti. Xari, Jiraya, duel de Grota. Et ça arrive. Oh, la chope qui passe directement. Ça fait très mal. Oh. Elle a lourde en hauteur. Hein. Elle fait très mal quand c'est un coup, quand c'est un coup inarrêtable. Il faut faire une parade parfaite, je rappelle. Il faut appuyer au bon moment sur l'attaque haute. Le perso de Gigi, il est trop imposant, mais à côté de celui de Xari, on dirait il est tout maigre. Quoi. Je cours. On dirait surtout Jiraya, il met des frappes, mais ça lui fait pas perdre de vie. Ok. Mais il fuit. Oh, attends, j'ai un truc. C'est quoi ça? Ah, t'as trop. En fait, si tu arrives en bout de stamina avec cette attaque, tu as un malus. Voilà, tu peux y aller, hein. C'est pas un malus, ça, c'est. Fume-le. On dirait il danse. Ouais, c'est clair. Et l'égalité qui est remise ici. Fais gaffe, Gigi, t'as plus de stamina. Oh, t'es tellement dans la merde, mon frère. Il va te choper. T'as plus de stamina contre le perso de Xari, c'est. Non, c'est bon, ils ont tous les deux la stam. Quand y a plus de stamina. Bah, faut fuir. En fait, non, faut défendre, faut faire parade, faire que des parades. C'est ça, moi. Tu peux pas faire de parade parfaite, faut faire que des parades normales. Donc en gros, tu vas en prendre plein la gueule. Oh, il m'a chopé. Ouais. Il peut te finir là, attention. Oui. Oh, GG. Mec, mais du coup, ça me chatouille. Okay. Gigi, quand tu le chopes, tu peux faire une lourde hein, derrière. T'es pas obligé de le repousser. Oh oui. Oh, c'est à deux doigts de passer. Oh, c'est close. Oh oui. La parade parfaite ici de Jiraya qui régale. Oh non, l'attaque ratée. Non, oui, c'est décalé. Tu l'as repoussé malheureusement. Il a pas dû repousser quand j'ai mis le bloc. En fait, le truc c'est que moi quand tu dois faire pareil comme moi, peut-être tu spams la touche de fois. Ouais. En fait, ouais, ça faut pas spammer du tout. C'est un jeu où quand tu spams direct, ça te punit. Ah dommage, putain. C'était joli. En fait, quand t'arrives à le choper, tu mets une light ou une lourde, et normalement, justement, le fait que tu l'aies chopé, ça. Le malus là, la grenade paralysante pendant 5 ans là. C'était abusé ça. Je peux te pousser dans le vide ou un truc comme ça, non? Bah, finis-moi, et puis tu peux même être un finisher, ça te fait plaisir, comme ça, tu fais le spectacle. Ça, tu mets, t'appuies sur Y à la fin. Putain, mais il est immense son perso quoi. Bon, après, le perso de Max, je vais pas te mentir, il est un peu. Oh! Oh! Ouais, toujours plus. Ça régale. Ouais, c'est bon. Allez, on a mis quoi de cette épée, mon frère. Et ça, c'est les finishers de base. Hein. Je peux vous dire que ces finishers avancés, ils sont. On est d'accord, je peux pas le contrer la chope. Hein. Il faut que tu esquives. Mais après, tu peux pas lui mettre une chope aussi, ça contre, t'as dit? Je crois pas, ça doit être une chope spé. À vérifier, je ne sais pas. Et la chope de Xari, nous, on peut tous la faire ou pas? Ouf. D'accord. Okay. Non, c'est le perso de Xari qui fait ça. C'est pour ça j'ai fait beaucoup plus de dégâts. Je comprends pas le truc qui. Quand il me chope, ça fait une espèce de bouclier orange là. Et du coup, je sais pas quoi faire. Ça veut dire que tu ne peux pas le parer. Donc il faut esquiver.
Ah, ok, ok, ok. Alors, tu peux faire une roulade sur le côté. T'appuies deux fois sur A, ça fait une roulade sur le côté. Ça marche. Toi, tu fais ça. Pulvérisé à terre. Au bout du monde. Vas-y, j'ai envie de mettre des grosses bastos au max aussi, moi. Fais l'autre, exécution, fais l'autre, fais l'autre. Ça met un peu en confiance. Messieurs, bonne chance. Attends, il récupère sa stam. Ouais, c'est bon. Sa stam. Oh. Ouais, la stam en fait. C'est juste la stam. On dit la stam. Oh, la chope qui passe ici, il va récupérer sa stamina. La chope qui passe encore une fois, le home run. Il tombe en bas des escaliers. Oh, la lourde qui passe, mais derrière évidemment Jiraya qui s'est vengé directement avec une attaque lui aussi. Tout ça n'est pas interruptible, hein, donc ça fait très très mal évidemment. Attention, c'est très serré ici entre les deux joueurs. Oh, quoi ? On s'est tapé en même temps ? Ouais, vous êtes tapé en même temps. J'avais un tout petit peu plus de vie. En fait, il avait un petit peu plus de vie, dommage. C'est ça, vu que vous êtes pas interruptible tous les deux, bah vous vous tapez quand même, mais c'est celui qui fait le plus de dégâts, quoi. Franchement, c'était des beaux duels, les gars. Ah, les trois, ouais, c'est sympa. Ça régale. Ouais, c'est sympa. Et c'est le 3Z ici de Xari sur Jiraya. Alors, Jiraya qui ira du coup. Qui perd et qui va jouer en barrage contre. C'est qui ? C'est Junpei ? Junpei, ouais. Ça va être très bon. Maintenant, on va enchaîner avec. Zulu contre... Ah non, c'est pas fini. C'est d'abord le loser. Ouais. Ouais, c'est d'abord le loser, donc là c'est Xari contre Hugo. Mais oh non gros, maintenant Hugo, gros, il a Sasuke. Oui, mais t'es gros, putain. Oui, mais t'es gros. Tu vas mettre 8 ans à le buter, gros. 8 ans à pour le tuer, ouais. Ça va être long. En vrai, c'est vrai que c'est relou, parce que quand t'as un assassin qui est contre un tank, en gros, c'est... Il doit faire beaucoup d'attaques pour le tuer. Et en plus, là, à chaque erreur, c'est fatal, parce que le mec perd la moitié de sa vie, quoi, donc... C'est terrible. J'ai l'impression que je vais jamais le toucher. Déjà qu'avec son mec avec doublage, j'ai galéré à le toucher. Ça va être chaud. Ça va être très tendu tout ça, ouais. Bon, allez. On va mettre une aube brumeuse. Let's go. Messieurs. Qui gagne ici, les troisièmes, quoi. Salut tout le monde. Je vous souhaite bon appétit. Je suis avec mon steak façon Bouchère. Sur ce, un petit verre d'eau. En vrai, il avait l'air pas mal en son steak façon Boucher. Hein. Bah ouais, mais il cuisine bien Kirby. Hein. Ah ouais ? Ouais, ça va. En vrai, ça va. Hein. Bah en vrai, ça va, ouais. Correct. Ça. J'adore le chant m'intéresse. Il est parti le train, il est ouais, il faut savoir que je suis un shinobi, mais je bosse chez Watch Dogs, hein, apparemment. Oui, c'est ça, oui, tu as le logo Watch Dogs, ça fait plaisir. Watch Dogs de 2000 ans avant, hein. Nous avons un nouveau sub. Les anciens dieux sont de retour. Quand les émigrés partent en Amérique. Ah oui. Ah, tu vas me régaler. Fume-moi au geyser. On est les 7. C'est pas moi, hein, c'est pas moi. Oh non, pas les geysers. Oh, mais putain, mais Max, t'abuses de ouf, t'as pris la pire, arrête. Non mais frère, moi je voulais que vous soyez dans la cathédrale, j'ai pas choisi. Fais-toi geyser là. C'est bon ça. Vas-y, geyser moi mon pote. Bon, tu souffles. Voilà. Voilà, fais-moi un finish. Ah, tu régales pas du tout. Allez, messieurs. Ah oui, j'avais oublié les touches. Oh, ça passe. C'est très bien joué ça de la part d'Hugo, il régale. Il régale. Il a pris le geyser dans le dos. Let's go les potes, let's go. Il t'a détruit. Je suis trop con parce que j'étais en mode, je suis contre le geyser, il va forcément faire un brésil, mais tu peux pousser avec une attaque en fait aussi. Ah bah oui. Oui, no humour, hein. No humour, hein. Faut faire attention. Et oui. Putain, il a été trop fort. J'ai rien su faire, je vais l'attaquer maintenant. Sachant que Rivenji et Faya ils s'entraînent de ouf là en ce moment. Ah, pas du non, pas du tout, gros. Je regarde absolument les matchs, je suis subjugué par ce qui se passe. Allez, fais-moi, pardon, excuse-moi. Je suis inspiré, c'est au-delà du. Non, tu n'as rien à foutre. Ouais, c'est du. Messieurs. Là, c'est parti, deuxième match, Xari Hugo. Allez, c'est parti directement, Xari contre Hugo. Quel match, let's go là-dessus. Oh, regarde, Xari qui l'attend en haut de la pente, il veut pas aller au geyser, il veut pas y aller, il sait que c'est dangereux pour lui. Putain, mais ça fait trop mal hein, quand même son truc. Ça fait super mal, mec. Ouais, mais tu peux continuer, je m'en fous. Oh là là, ouais. Qui n'a pas peur. Esquive qui est pas passé là-dessus. Allez, la lourde encore. Trop de dégâts. Putain, il est trop stylé le perso en plus. Et il enchaîne les lights, ça ne passera pas. Attention, il a plus de stamina. Il est au run direct. Comment il fait Oui, la chope qui passe.
ça contre ici. Zul, oh là là, Zul, pardon. Hugo qui prend trop cher. Double chop. Il est full stam, il est full stam. Il ne s'arrête pas ici, Xari. Il n'a aucune limite. Mais cette chop, on peut pas l'esquiver, gros. C'est terrible. Hein. Si, sur le côté. On peut pas l'esquiver. C'est chaud là. Ah, Hugo est vraiment trop fort. En fait, son perso, je l'ai pas kiffé. Il est trop chiant son perso. Il est franchement chiant, insupportable. Mais c'est je pense qu'on devrait le bannir. C'est vraiment une question de match-up là en fait, je trouve. Hein. Bon, c'est une question ouais, surtout pour nul. Merde, il est où, il est où? La voix, la voix dans Burnout Paradise. Ah, merde, ah, c'est Hugo. T'as Hugo. Oui, oui, pardon, pardon. Je te cherchais en fait. Allez, on donne tout là, on donne tout. Appuie sur la nitro, mec. Oh, bah je l'ai pas volé celle-ci, dis donc. Plus de tête. T'as découpé en 3 attaques. Pardon, j'ai pas fait exprès. Ouais. Stamina, attends, stamina, 3, 2, 1, combat. Fait, donc, c'est Y. Le réflexe d'Hugo, quoi. Ah, n'oublie pas d'attaquer ton adversaire. Oui, c'est bien joué ici. Le contre suivi d'une chop. Direct le home run derrière. Attention, on va peut-être essayer de le mettre. Eh bien, la bouche au sol directement dans le geyser. Allez, la chop qui passe derrière les quelques attaques d'Hugo là-dessus. Ça charge évidemment! Oh, magnifique! Eh oui, c'est imparable, mais c'est contrable. Et ici, c'est bien joué de la part d'Hugo parce que du coup, il n'y a plus de stamina ici sur Xari. Oh, il est chaud, il est chaud. Oh, le run dans le geyser! Le geyser qui s'est éteint, il s'est éteint le geyser. Oh, l'enfoiré! Oh, il a eu de la chance. Oh, la chatte du geyser! Oh là 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 là. Dans la flaque en fait. Le compte, attention, le geyser qui va se réveiller maintenant! Agashiru. Allez, Hugo qui a beaucoup de vie ici, il a le temps de voir venir, mais il peut se faire sur en deux attaques, on le rappelle, par le Shugoki qui fait très très mal ici à ses adversaires. Et c'est une victoire d'Hugo ici, 3-0 face à son homologue. On voit que Hugo il a allé tester son perso, hein, parce que moi clairement... Bien joué mec. C'est juste qu'il est bien mobile mon perso. C'est une attaque à distance qui dégoûte. Victoire. Victoire d'Hugo, on remercie Denis, notre stagiaire qui s'occupe de mettre à jour en temps réel le tableau de tournoi, ça fait super plaisir. Du coup, je dit, de toute façon, Hugo, il va gagner. Hein. Hugo, ouais, je pense qu'il va plus qu'à remonter tout le loser. Hugo, tu vas du coup en loser final et tu joueras contre soit moi, soit Zulu, c'est-à-dire le perdant du match qui va avoir lieu tout de suite sur vos écrans. Ok. Ok. Ah, tu peux rappeler ton nombre d'heures sur le jeu, s'il te plaît? Mais ta gueule, j'ai joué il y a 6 mois. À titre d'information. Non mais Zulu, mais quel énorme rageux. T'as vu que Junpei avec 10 minutes, il a réussi à me fumer, donc t'inquiète que je suis pas si fort que ça. C'est qui? C'est Zulu? Ouais, voilà. Hop. Ouais, c'est Zulu. Pas n'importe Est-ce que les gars sur le chat, ça vous plaît ce concept ouf? Mais ta gueule, toi. Mais non, mais c'est vrai, ils sont 6000. Ils sont 6000, c'est j'ai vu des gens kiffer, hein. Spéchy a proposé un truc sympa et toi t'es là en mode oh ça pue la mort. Mais n'importe quoi, il est con quoi. Non, là tu prends la mèche là quand même. Là t'es susceptible, Max. Je suis susceptible un petit peu. Eh bien, vous pouvez remercier Max, c'est lui qui a eu cette idée. Révolutionnaire qui nous a proposé de le faire, donc c'est cool. Pour ce confinement. Je l'ai quand même dit, sinon on fait la Maxiane, mais c'est pas grave. C'est vrai. Rendons à Hugo ce qui est à Hugo. Allez. La M-LAN. Et le pic secret. Je sais, tu prends un pic secret, Zul? Parce que du coup, pas de réponse. Peut-être je pourrais changer de pic. Non, il va pas le faire. Non, il va pas oser. Putain, j'hésitais à prendre le moine, mais tant pis. Je vais le tenter. Oh putain, il casse les couilles avec sa sentinelle de mort. Le truc, c'est que Zulu, en vrai, il sait jouer, donc ça va être chiant. En plus, il a déjà fait une maxilane, donc il a déjà joué. Non, mais Zulu, il sait jouer. C'est vrai que j'ai joué 20 minutes. Il est dégueulasse, Zulu. T'as fini combien de times sur For Honor à la maxilane? Je sais pas. Ouais. Je regarde, c'est toi qui as les stats, un peu. Ouais, j'ai les stats, mais on va les voir après. Ouais, on a tous été rassurés, y'a pas de problème, mon pote. Attends. Isou. Ah, c'est parti pour ce duel. Allez, Maxi Vlad, qui ne parle pas, mauvais streamer. Il me trigger en plus. Ah bon, des gars là qui sont mis de la part de. Ça l'a déstabilisé. Ça l'a mis mal, ouais. Ok, c'est pas si ce mec veut en faire son métier, mais c'est mal. En fait, c'est bon, je viens d'analyser la technique de Zulu. Attaque forte. Oui, c'est tout. Fin de la vie. Après, esquive, attaque forte. Et en vrai, il m'a battu, donc ça marche. Hein, bah voilà. Tu t'es pas adapté. Ah, bâtard. Bon. T'es en apnée là, mon pote ou quoi? Ah, je suis en apnée de ouf, tu te rends pas compte ou quoi? Chaque duel, c'est.
Chaque duel, c'est la tension la plus totale. En vrai, Max, normalement, tu vas t'adapter, tu vas pas les prendre. Ah, c'est quand c'est t'adapter. Entre ton personnage a un finisher qui dure 15 ans quoi, c'est terrible. Combien les épaules l'a payé. Parce que je l'ai payé. Ah, d'accord. Deuxième manche. Ah, excuse-nous Max. Moi je pense que Zulu peut gagner. On n'a pas fait offrir celui-là Max. Ouais. Zulu étoffe ton gameplay, franchement tu peux gagner. Ouais, en vrai Zulu fait d'autres trucs et tu vas gagner. Rajoute des lights et tu gagnes. Tu fais quoi là? Joue la plus fine. Joue un peu plus fino de Zulu, t'es le boss. À la Beckham. Oh Zulu. Oh Zulu. Un crayon de vérité ce move. Joli ça putain. Crayon de vérité. Imaginez Max là qui est en stream devant tout le monde en train de suer pour son jeu. Ça dégoûte. Tu vas le quitter en rentrant ce soir. Ça a glissé sur le piège. Oui. Putain, dommage, c'est joli. Hein. Putain. Allez, souffle mon pote, souffle mon pote. Je suis à 12 000 à l'heure, gros. Yeah, déjà culte, un maximum de flammes. Ouais, c'est cool. Ok. Allez, t'as soufflé mon pote. Vous avez remarqué, mais quand on joue à For Honor, on tue les mecs. C'est le moment de tousser maintenant, mon pote. Putain, Zulu qui va le faire back-to-back, back-to-back, remontada. Ouf, allez, 2-0. Ouais, Maxidan qui malheureusement a du mal un peu vite. Manifestement, il galère là. Tout à fait fluide. Ouais. Zulu monstrueux, hein, fidèle à lui-même, pas touché une balle. Aïe, oh là là. Les gars, je vais vite fait sur le live. J'avais plus de stam. Wouh. j'avais plus de stam. Ça passe. Zou, t'as trop spammé les attaques lourdes. Aïe. Non, dommage pour Zoul, c'était joli. Bon. C'est très très beau. Zulu, bah, c'était tenté. Dommage mon Zoul, tu vas te faire exploser. Zulu contre Hugo. C'est maintenant les gars. Eh les barres. Ouais, c'est maintenant mon pote. Hugo mec, tu sais ce que tu dois faire, hein, tu dois gagner. Hein. Nous on peut remonter avec les barrages ou c'est fini? Bah non, c'est juste ton placement. Non, vous pouvez pas remonter là, c'est que pour le placement. Nous, on a déjà fini, non, mais tu peux pas faire un barrage spécial. En fait, le barrage en gros il va te permettre de savoir si tu finis 7 ou 8ème. Ouais, mais tu fais un barrage qui me permet de remonter. Non, bah non, on n'aura pas le temps gros. Non, en gros là c'est quoi? C'est moi je joue plus en fait. Moi je suis 4ème, c'est sûr. En fait, parce que y a pas de barrage. Exactement, toi t'es sûr d'être 4ème. Il y a 5, 6 à faire et 7, 8 à faire. C'est ça. Attends, mais moi j'ai pas de barrage contre qui? Ah si, Jumpé. Si, Jumpé, ouais. Parce qu'il a perdu. Ouais. Ok, ça marche. Exactement. En fait, on fait d'abord ce qui est. Parce que en gros, comme je veux être sûr qu'on ait le temps de finir, je préfère qu'on finisse le tournoi. Ouais, ouais. Après, si on veut faire du fun, on fera, mais on pourra faire des 2v2 ou j'en sais rien. Après, on peut jouer à 8 ou en même temps ou pas, c'est pas possible. Oui. On peut faire à 8. On peut jouer à 8. Il y a 4, gros, c'est drôle. Il y a du 4v4. Oh, j'ai déjà hâte. Alors, je veux pas être avec Faya. C'est ce que j'allais dire. Énorme. Moi, si je suis pas avec Gigi, je joue pas. On va équilibrer en fonction des barrages. Alors. Tu penses que ce serait une bonne idée, non? Je pense que. Vite, ma mère, ça part trop mal de mon. Vite, ma mère. Il serre les connotes et tout. Vite, ma mère, ça me fait nul. Je vous mets dans la canopée de nuit. Oh, bonne chance, messieurs. Super, Zoulou. J'ai hésité à jouer le moine et je crois que j'ai bien fait parce que tu m'aurais fumé. Attendez les gars, je check le live. Oh le moine, oh oui, oh c'est bon ça le moine. Y'a quelqu'un? Allô? Allez, ah bah non là c'est mais dommage. On est dans la même... Ouais, bah oui, vous avez fait de la merde là. Les bolosses. On va relancer, c'est pas grave. Non mais attends. Pour enculer le vocal, y'a du monde mais pour choisir la bonne team, y'a plus personne. Oh bah ça va hein. Ils sont horribles. Ça rend ouf. C'est Norman, ça va? On dirait la voix dans Jack and Dexter. Et toi à gauche. Quand vous voulez, hein. gars, when you want, hein. Et en vrai, c'est le meilleur truc qui ait pu nous arriver. Non, on devient quoi, la Maxilane. La Maxilane. On va voir qui est le plus polyvalent. En vrai, sur CS, oh, gros, yeah. Du coup, on a testé avec Hugo pour CSGO il y a pas longtemps. Mec, c'est incroyable la différence de level quoi. Ah bon? Oh mais gros. J'ai même pas le temps de le voir qu'il m'a déjà mis une tête quoi, c'est incroyable. CSGO. Bah attends, par rapport à qui? Tu parles par rapport à Hugo? Oui. Hugo est trop chaud sur CS, mais surtout, il vient de couper pourtant, son effet avant la fin de sa phrase, c'était très drôle. Ah ouais. Pourtant, Hugo il est bon sur CS, mais je veux dire, c'est pas le mec qui m'a le plus impressionnant au cours de. Ouais bah dis-toi que je suis très très nul. À moins que. Ah bah oui, c'est vrai. Mais il m'a. T'inquiète qu'il était quand même impressionnant. Zulu,
Ah non, non, il est chaud, Hugo, il est bien meilleur que quiconque. Attends, ce salut, mais le bâtard. Oh, le salut, c'est Y. Comment salut Y. Triangle. Voilà. Voilà. Bien joué à toi. Domo, je suis japonais. Arigato, je suis fils du soleil levant. Domo, je suis né au Japon. Encore une fois, un pu de stamina sur Zulu, ça régale. Plus de stamina, mais parce que tu fais que des lourdes et... En fait, tu fais des lourdes et des roulades, c'est les trucs qui demandent le plus de stamina, c'est terrible. Ok, ok. Faut que tu fasses des parades tranquilles, tu vois. Tu me parles comme si je savais jouer au jeu, mon pote. Hein. Mais comment t'es arrivé en finale, connard? Les gars, ils... Il avait le braquet facile. Les mecs, ils... C'est gentil pour Xary, ça. Ils portent des armures... Ils portent des armures qui font 40 kilos. Tu crois pas qu'ils font des roulades toutes les 2 minutes? Salut. Xary, c'est une erreur de parcours. Hein. Il aurait jamais dû perdre. Deux mots. Je suis japonais. Je suis japonais. Je suis fils du soleil levant. Regarde-le, il court, il fait des roulades. Attends. Bah quoi? Arrête la musique. On s'est salué, gros con. Mais pourquoi tu fais quoi, la Zoul? Zéro, salut. Ah si. Et voilà, super drôle. Qu'est-ce que tu branles? En fait, il essayait de se cacher, je crois. Non, mais c'est juste qu'il essayait de me bait comme un bâtard. Mais on essaye rien quand on est en match, non? T'as déjà vu un tournoi, le mec fait attends, pause, j'essaye un truc. Ouais, j'avoue. Max, il le fait, hein. Beau jeu, regardez. Peut-être tapis, peut-être. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, Max, non, mais des fois, abuse pas, des fois, t'es même en tournoi, t'es en mode vas-y, je tente le beau jeu, je fais un truc alors que. Ah bah j'essaye! Non, dis pas à son adversaire, pause, je fais un truc! Ah oui, non, juste j'essaye et si je. Bah si je rate, j'ai perdu, tu vois, mais juste j'avais envie d'essayer, tu vois. Ah oui, non, mais. C'est le match dont tout le monde en a rien à foutre, là, qui est en oui, bah parce qu'en fait, on sait déjà qui va gagner, c'est Hugo Décor, en fait. On est d'accord! Oui, Hugo, ouais, voilà. La hype est tombée, excuse-moi. Je le sens bien gagner là contre Max, je sais pas pourquoi là. Bah c'est tout à fait probable et ça me casse les couilles d'avance. Ah mais c'est... T'avais prendre un jeu où t'étais vraiment plus fort, genre Guitar Hero. Bah contre Hugo, il aurait pu gagner, hein. Donc... Oui aussi. Putain, mais Max, t'as pas un jeu où tu veux exploser. Mais c'est juste que Hugo, il a les mêmes goûts que moi, il casse les couilles. Non, c'est juste que Hugo, surtout, il est fast learner parce qu'il s'est fait détruire. Oui, bon, Zulu, c'est drôle de se cacher. C'est pas toi qui a les mêmes goûts que Hugo. Putain, j'avoue, Zulu, il rend ouf. Mais non, je rends pas ouf. Bah si, c'est juste que je veux éviter son coup à distance, là. Mais il va te le mettre quand même. Bah oui, ça change rien. En cachant, ça va l'éviter. Oh, t'as bien évité là. Oh là là, puis en fait, l'espèce de téléportation, c'est une esquive? Oui, c'est une esquive. T'appuies sur deux fois à gauche l'esquive et hop, ça téléporte. Okay. En fait, c'est une esquive, mais plus stylée quoi. C'est une esquive. Ouais, mais ça lui demande de la stam. Putain, j'ai. Okay. Allez, bah les esquives, elles demandent de la stamina. Ouais, mais c'est une demande plus. Ça dégage. C'est une demande plus de stamina et il se déplace. Hugo 3Z. Bien joué. Hugo, depuis qu'il a pris ce perso, il 3Z tout le monde. Ouais, il 3Z. J'ai très peur. Impressionnant. Non, tu m'as 3-2, non? 3-1? Je sais plus, John Pay. C'est vrai, John Pay, toi, en fait, John Pay. John Pay, toi, t'es un peu l'underdog, quoi. Et la fraude, il devait finir au moins 3ème. Il devait finir 3ème. Messieurs, je propose qu'on garde la grande finale pour la fin et qu'on fasse les barrages tout de suite. Les barrages. Est-ce qu'on commencerait pas par Rive, Faya, parce que les pauvres, ils devaient. Non, mais je vais me déchauffer, là. Ils sont partis. Alors. C'est le mec. Ils sont partis. Ils se sont cassés directement. Ils sont rentrés chez eux, mais ils sont déjà chez eux. Alors, les matchs de barrage. C'est Rivenzi, Faya, premier match. Ah mais j'ai plus le jeu, on va finir en avance là. Moi j'ai désinstallé le jeu aussi moi. Oh les gars, mais fallait dire là, moi j'avais déjà désinstallé quoi. Putain, relou. Allez, on est parti sur récap week-end je crois. Ouais. Une fois, hein, pas deux. Hein, go. Ok, vous êtes là, on va changer la carte aussi. On va faire le port. C'est moi qui ai vu de la sorte là, c'est... Bah écoute, c'est pas moi en tout cas, enfin c'est peut-être toi, nous, mais... Ça sent le RER, c'est, ouais, c'est insupportable. Bah, Limbo qui t'a chié. Ça sent le RER. Vérifie que Limbo t'es pas chié. Ça sent le RER. Je pensais qu'il va dire quoi, notre ami Mac, le M, tout à l'heure, là, à 20h. Bah, je pense qu'il va dire bien joué à tous, c'est terminé, on réouvre tout. À mon avis, ça va être ça. Ah oui, c'est vrai. C'était une blague. Mais t'es en mode gay. Bah les gars, on est la risée de tout le monde sur les réseaux sociaux, le FC Snap a appelé. Et du coup, on va devoir tout confiner. Je pense qu'il va dire bah, vous avez été exemplaires et comme je suis fier de vous, vous pouvez tous ressortir. Ouais. Non. Je pense qu'il va pas dire ça. J'étais un fils de pute, mais ça va être exactement l'inverse, je pense. Donc, en vrai, mec, j'aimerais trop. Tu sais, qu'ils disent ce qu'ils pensent sincèrement. Mes fiers font bout. Qu'ils disent vous êtes vraiment. Vous me faites honte, tu vois. Genre, oh, je kifferais tellement. Je pense pas qu'il va dire un truc comme ça. Bah non, mais j'aimerais. Non, mais il peut dire je suis indigné du comportement de certains compatriotes. Voilà. C'est ça qu'il va dire. Au revoir. Il va dire lisez entre les lignes. Il y a une minorité de connards. Il va dire deux, face à l'irresponsabilité de certains d'entre vive vous. Vive la France. Vive la République et rends mon quad. Nous sommes dans l'obligation d'en venir à des mesures strictes mais nécessaires.
Mais du coup, il savait, savait de quoi c'est, il va, parce que là, il confine quoi ces gens. Bah, j'imagine qu'il va dire vous sortez plus de chez vous sauf si vous avez une dérogation et vous avez le droit de sortir jusqu'à de telle heure à telle heure pour faire vos courses, c'est terminé. Il y a aussi des contrôles d'identité pour savoir si t'as un droit de passage ou des trucs comme ça. En gros, c'est The Last of Us. Hein, c'est... En vrai, bon, c'est pas du tout drôle, mais je trouve ça, je sais pas, what a time to be alive, tu vois, c'est genre... Ouais, c'est un truc à vivre. Il se passe quelque chose. C'est un truc à vivre, les gars. C'est ça, nos grands-parents, ils étaient là, j'ai connu la guerre, on sera là, j'ai connu le coronavirus. Pas tout à fait le même niveau. C'est cool, mais en mode, c'est un truc qui arrivera jamais, tu vois, qui arrivera... Ouais, moi qui adore l'histoire, je suis sûr que ce sera écrit dedans dans quelques années. Oh, dans 3 mois, une petite chronique de Rivenzy sur le coronavirus. Alors, le coronavirus, vous vous en souvenez de cette époque? Il y a un mec dans le chat qui a mis « What a time to die ». Oui, c'est pas drôle, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans le sens « Putain, je suis trop content », mais dans le sens… Il se passe quelque chose. On a quand même ouais. On a tous passé le millénaire déjà ensemble. Je crois quand même aussi qu'on a tous choisi le bon métier dans notre vie. Quoi, parce oh que... oui. Actuellement, parce qu'aujourd'hui, oui. Regarde, bah, on peut travailler, on a bien de la chance. Allez, le match dont tout le monde se fout, c'est maintenant, messieurs, dames. Non, je rigole, gros. Et là. C'est parti, là, on est en train allez, de suivre le jeu. Allez, en vrai, qui est monstrueux. Si je peux vous donner un petit peu d'enjeu, sachez qu'il y a une différence dans la gradation des points. C'est-à-dire qu'en gros, le mec est... Des points, ouais. Le mec est... En fait, le mec est premier à 100 points, le mec qui est deuxième à 80. Et après, tous les autres, il y a une différence de 10 points. Sauf que le dernier, pareil, il y a une différence de 20 points. Donc là, en gros, il y en a un qui aura 10 points et un qui aura 30. Donc, il y a quand même une belle différence. Il y a une belle diff, ouais. BAM! Et je crois que Rivenzy. Il y aura une différence à la fin. Bah, j'avais plus de stamina à la fin, il m'a niqué. T'as niqué, on peut le dire. J'ai les termes. Faya, ton niveau est ignoble en fait. Fais très attention à ta stamina. Regarde. Attends, faut que je fume, Jean-Michel. Ouais, fume-moi. Faut que je fume, Jean-Michel. C'est la stamina ça. Ça va, Sard? Il m'a pas fini. Il m'a pas fini proprement, je suis déçu. Ah, ok, j'ai cru que j'avais. C'est quoi cette voix? Elle est horrible. C'est horrible. Elle est ignoble. Attention, Faya qui prend le dessus mais qui n'a plus de stamina quasiment. Voilà. C'est serré ici entre les deux joueurs. Il faut parer. Peut-être une chope. Oh, et Faya qui remporte la victoire là-dessus. Oh, l'énorme attaque quoi. Et il n'a même pas. Il n'a pas respecté son adversaire. Il a pas fait de finish. Il a laissé tomber au sol comme une énorme merde. Son âme n'ira pas au paradis. Au Valhalla. Ce son. Non mais ça va pas. Oh, je suis très très bon, maman. Oh oui. Continue ainsi. Oh. Encore. Bon messieurs. On l'embête. Allez, c'est parti. Faya. Et Riv, il est dans le mal. Il est grave dans le mal, là, Riv. Vous pouvez la fermer, s'il vous plaît. Vous pouvez juste la fermer, s'il vous plaît. T'as vu, c'est chiant, hein. Ah, allez, hop, tu prends ton ciré, tu dégages. Tu prends ton ciré. Allez, le breton, là. On se casse. Pas très bon. Sachez que je me régale. Allez, Riv, fais des chops. Arrêtez de me victimiser, s'il vous plaît. En vrai, Riv, fais des lights, tu vois, ça marche. Mais c'est quoi, des... Des lights. Amis. C'est des petites attaques, c'est le bouton au-dessus. Ouais, c'est ce que je fais. Fais les lights. Ah, mais tu fais. Perso, mais tu changes de direction, tu fais haut, gauche, droite, haut, droite, gauche. Tu vois, ça va surprendre. Ouais, je sais. Tu spam. Voilà, tu vois, le spam, ça lui casse les couilles. J'aurais peut-être pas dû lui donner ce conseil. Contre Faya. Putain, Faya est. Préparé. Je suis désolé, Faya, je crois que j'ai niqué le game. Tu lui as donné trop d'infos au pire. Je crois que tu viens juste de créer un monstre en fait, Maxildan. Au bas, carré, croix, triangle rond, et t'as une armure qui pop. Messieurs, vous êtes à égalité. Et cela dit, les conseils que je lui ai donnés, ils marchent pour toi puisque t'as le même perso donc. Faya, je suis ton baron. Mais ils sont 8 ans, putain. Ils ont 2 ans, c'est infâme. Papa! Faya! Mais attends! Non mais attends! Il sort. Sur CS, ça va être horrible. Tu vas être là, essayer d'écouter les sons, t'as Gigi qui va être là. Ah, on n'entend pas ce que
que je dis ? Un stream animalier. Hein. Mais ça y est, mais ça détruit. Putain, il m'a fait deux parades parfaites. Bravo. Bravo Faya. Victoire de Faya qui sera avant-dernier. Rivenzi qui chope 10 points là-dessus. Je crois que je serai pas là pour les autres jeux. Mais je comprends. Ton salaire non plus. Très bien. Putain, c'est énorme ce que tu viens de dire, Gigi. Je reconnais, c'est de l'humour. Ok. Ça me tue de rire. On passe à Junpei contre Jiraya. Putain. Bah, moi j'y vais du coup, les gars, merci. Bon live à tous. C'est du mal de devoir slice mon frère, mais bon. La honte, t'imagines, tu perds contre WAM, putain. Je reconnais ça, c'est le sub. Je reconnais. Junpei, il est où? Il est là. Oh, ça va être intéressant ça. Junpei Jiji. T'as été dépisté, Rive. Vous fumez, Rive. Vous fumez, Rive. Alors, désinstallé. Merde. Non, désinstalle pas. Après, on va jouer à 8. Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Le mec qui surhype le truc. Ça c'est va être une dinguerie. Vas-y, on essaie de jouer rapidos, hein, mon cher Junpei. Okay. Dans le chat, quels sont vos favoris sur ce match? On bat là très honnêtement. La Jige contre le Jun. Bah arrêtez, j'ai la pression. Ah bah non, y'a aucune pression, gros, t'es juste monstrueux sur le game. Maxime Dan, posez tout de suite ce Google Chrome. Tout de suite. Veuillez retirer vos slips. Ceci n'est pas un exercice. Posez tout de suite ce Google Chrome. Ça n'a aucun sens. Ok Google. Tu joues le même perso que moi, Jiraya ou pas? Hein? Non. Moi j'ai changé, je joue Ragnar Lodbrok. Oh non, pas Ragnar, il est trop fort. Vous savez que Ragnar Lodbrok était un vrai viking à la base? Ah, oui, on savait. J'attendais. Mais ta gueule! Le saviez-vous? Mais non, mais c'est pas toi qui décide. Vous saviez que la première épée a été forgée en 893? C'est vrai. Mais non. Ah ouais, les mecs, les hommes se battaient avec des bâtons juste avant. Juste avant. Ils ont conquis la Gaule juste avec des bâtons, imaginez. Non. En fait, arrête Hugo parce que je ne te respecte pas. Je ne te respecte pas. Il est tellement bien cet extrait. Ouais, c'est incroyable. Il faut qu'on se salue. Merci, tu régales. C'est parti. Junpei, je suis là. Viens, on se salue. Appuie plusieurs fois sur Y. Je suis là. Je ne joue pas à la manette. Je joue au clavier. Je sais pas comment on fait. Ah. Alt F4, essaye. Est-ce que tu as un personnage destiné? Alors 12 ans et demi. En train de te taper une superbe queue. Ok. Allez, c'est parti, mon ami. Attention avec queue par contre, en fait. Attention. Ouais, attention, c'est un peu banal. Non, mais c'est comme à la queue leuleux, c'est pas une... Comment ça queue? Ok, ok, doucement, Junpei, doucement. Ça va trop loin, hein, franchement. Ouais, franchement, ça. Je vais envoyer un mail, hein, parce que. Oh, c'est très très bon, maman. La lourde qui passe. Allez, Junpei qui essaie de se venger ici sur deux lights. Attention, il est dos au vide. Il prend des risques. Il va spammer ici contre son adversaire et il semblerait que ça passe, hein. Jiraya qui est déstabilisé face à toutes ses lights. Est-ce que tu peux cliquer plus fort encore s'il te plaît, Junpei? Oui, oui, oui. Tu regardes, j'ai envie de te sucer par le bout. Putain. Par contre, c'est mal mon perso quand j'ai touché deux fois. Est-ce qu'on peut reparler de tes dégâts en fait? Tu m'as brisé le crâne. Ouais, on est d'accord. Des rapages de Maxildon là, non? Par contre, sucer le bout. Oh, ça va. Par le bout du petit doigt, bien sûr. Vous savez d'où vient l'expression d'ailleurs? Vous savez d'où ça vient d'ailleurs l'expression le petit bout? Vous savez d'où vient l'expression sucer la queue? Parce qu'avant les gens, en fait c'est fou en fait. Avant, les gens aimaient leurs chiens. Ils adoraient leurs animaux. Voilà. Dérape de ouf. Et franchement c'était pas une si mauvaise époque. Est-ce qu'on peut se concentrer sur le gameplay en fait s'il vous plaît? Ouais s'il vous plaît. J'aimerais pas qu'Alex m'appelle et dise bon bah c'était le dernier live. Pas très bon. Ouf. Et les lights encore une fois qui font le taf, hein, Gigi qui ne sait que faire face à ça, il a plus de stamina. Il est au fond. Plus de stamina? Parce que tu t'es pris trop d'attaque en fait. Ah ça a la baisse. Ah j'étais pas au courant d'accord. Parce qu'en fait je crois que tu perds de la stamina quand t'essayes de bloquer mais que tu rates. D'accord. Vous avez perdu votre gland de lait les gars. C'est mieux ça.
Moi, j'avoue que je suis pute hein, parce que je fais pas trop gaffe à ma stamina non plus. Donc... Ouais, ouais, faudrait que je check après. Mais après, j'avoue, je spammais un bouton donc ça. Le truc, c'est qu'à force de jouer, tu sais, tu prends un rythme parce que tu sais que tu veux pas finir en low stab. Ouais. Donc en fait, tu finis par prendre le rythme et tu regardes plus ta stamina. Tu connais ton perso. C'est parti. Bah, je l'ai pas encore ce rythme. Moi. Écoute-moi bien, Juppé. Ça m'a l'air d'être trop petit pour nous deux. Attends, tout le monde se tait pour écouter l'ASMR de Juppé, s'il vous plaît. Oh, c'est bon. Oh, il clear. T'arrêtes pas, Juppé, t'arrêtes pas. Clique plus fort. Clique plus fort, mon. Oui! Ces dégâts qui sont trop forts, son épée là. Ouais, bah, t'as eu la taille du cousin aussi, gros. Ça fait la taille de. Pouf. Hein? Bon. Oui. Ah, Juppé, y'a pas de rumage sur ces personnages. Il y a des gens qui demandent si Xai est parti. Xai qui est parti prendre une douche peut-être. Est-ce que vous prenez des douches? Xai est vraiment parti. Une fois par semaine. Pardon. Une fois par semaine. C'est pas mal en vrai une fois par semaine. Bon rythme. Hier Nadine Moran. Non sur TF1. Nadine Moran. Elle a dit il faut pas non non. Nadine Morano. Oh là là. Ah, si elle l'a dit, si c'est Nadine Morado qui le dit alors. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Nadine hop, Morado. Et c'est parti. C'est trop. Je le traverse. C'est trop. Voilà, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Voilà, vous allez trop loin. Monsieur Ludovic save. Je pense que vous dénoncez trop. Belle, dénoncez belle parade trop, ici. Attention, ça passe. Il enchaîne les lights ici. Jumpé, il est très très chaud. Jiraya qui va pousser. Et la lourde qui passe. Oh, ça fait tellement de dégâts. Ça régale. Attention à pas prendre trop de light là-dessus. Qu'est-ce qu'elle est bonne, mais qu'est-ce qu'elle est conne. Conne. Nadine Morano. Hey, oh non, 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 donnez ça. Ça se joue à une pas attaque. Time dropping. Une attaque ici. Dropping. Yes. Égalisation de Junpei. Bon, ah, bah c'est un 2-2, les gars. Que lui joue et moi j'anime en fait. C'est chacun son. Ça parle mal. Dans le sac. 2-2. Allez, Junpei. Je vais utiliser tous mes coups spéciaux sur Maxildan au début, ça dégoûte. Vas-y, détruis-moi. Détruis-moi, oula. Oh okay, oui. Là j'ai pu t'analyser du coup. Je casse-moi la bouche pour voir. Ouais, c'est ça. J'ai juste téléchargé. Voilà. Voilà. J'ai pris ce que je méritais. Putain. Vas-y, je te laisse recharger ta stamina. Ah, ben non, c'est bon. Ça régale. On est parti. En vrai, je pense que t'es vraiment le meilleur joueur de For Honor de Montargis, à mon avis, là, Gigi. Hein. Ouais, étant donné que je suis le seul, c'est bien probable. C'est bien probable. Non, mais c'est comme tous les joueurs Smash qui sont là. Moi, je pense que je suis le meilleur NES de. J'étais de Funester, à mon avis. En vrai, il me régale. Je suis le 3ème Pikachu. Bien joué, les lights ici, les imparables. Les imparables qui font très très mal ici, Juppé, qui a plus de vie. Et peut-être la panique. Peut-être la panique ici qui va jouer. Yes. Tu Juppé, je te rappelle que tu n'habites pas encore chez toi. Un peu de calme, s'il te plaît. Bien joué, hein, les gars. Et c'est bien donc joué, c'était ultra chaud. Et c'est donc la Gige qui finira 6ème ici et Juppé qui finira 5ème. La Gige, quoi. Ça a joué à un plus près, quoi. Ensuite, c'est qui? C'est Xari. Xari. Non. Xari Zulu, Zulu, Zulu. Mais non, ils sont déjà classés. Non, on n'a pas besoin de match. Non, mais je sais, mais je suis en train de noter le classement. Non. Okay. Excusez-nous, hein, les semi-pro. Attends, c'est quoi le dernier match là? Je ne te respecte pas, match, Max. C'est la finale. C'est toi contre Hugo. Et toi, Xari, t'es 3ème ou 4ème? Rappelle-moi. Non, 4ème. Ok, donc Zulu après c'est. Ouais, Zul, et après c'est la finale. Okay. Bah, c'est la finale pour vous. Eh ben, on y va, messieurs. Putain, j'ai les mains qui tremblent. Allez. J'ai envie de faire pipi. Bah, c'est. C'est non, pas non, le bon moment. Mais tu peux pas les pisser, tu es confiné. Tu es con en fait. C'est terminé. Pisse-toi dessus. Waouh. On a perdu la session. C'est bon, il a joined, ça régale. Allez, on y va. Partie perso, 2v2. Est-ce que tu as une carte de prédilection peut-être? Je ne sais pas. Pas les geysers. C'est tout ce que je te demande. Pas les. Ah, d'accord, bah si tu veux, on fait. Pour les geysers, il si tu veux, on se met une arène d'une propreté impeccable. Voilà. On se met, restons bien calmes en revanche. Je me mets une arène. Je vous souhaite bon appétit. Je vous souhaite bon appétit. Horrible. Il y a des variantes et tout. Souhaitez-moi bonne chance. Que... Max, il est au bout du rouleau. Je le regarde sur le live, sa tête elle passe partout. Je vais lui mettre que des sons pour le faire chier. Il passe par toutes les émotions, Max. Oh putain, ça me fait. Tout à fait, rentre chez toi. Ouais. Ça va être en Italie ou quoi? On fait la teuf sur les balcons. Axel, c'est finalement un précurseur. Eh oui. C'est nous.
C'est juste con que ça se fait un peu tôt, quoi. Patati patata. Ouais, les grosses moutas. Oh oui. Somanes. Somanes. Là, Somanes, en fait, il est pas trop Somanes en ce moment. Tu l'as pas, Hugo? De quoi? Non, je l'ai pas. Faut que je Max, il voulait écouter Somanes là en juin. Ouais, on peut la mettre. Vite fait. On va demander. Un petit coup. Somanes en full. Oh, joli, c'est parti petit directement là. Mesdames et messieurs, les gars, mon souillé là qui sont de la part de Max. Il n'est absolument pas là pour rigoler. Lui, il est là vraiment pour prendre le match très très au sérieux. C'est son moment. Il prend un coup de pied chassé dans la gueule. Il se fait complètement attaquer. Ouais, ouais, très très stylé, alors que le perso de Max, pas trop, hein, je trouve. Je le trouve même, c'est le spadachien, comme on l'appelle. Même milieu. Le du bien joué ça. Le spada clébar, du coup ça n'a aucun rapport avec le nom de base, mais excellent. Exactement, le clébar master. C'est parti, Maxidan. Ah, c'est très très dur pour Maxidan, là, il a vraiment du mal à tenir. Hein. Fou, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. J'ai fait croix et ça a pas marché. Oui, il a fait croix mais ça n'a pas marché. Pas assez vite. Coupé en deux. Ouais. Oh, j'ai le cœur qui bat, gros. C'était tellement close. Oh yo. Ah, le cœur qui battait la chamade. On fait un BO3 ou on fait comment du coup, Max? Attends, on va faire un petit test. Max? Oui, je t'entends, ouais. Non mais y'a un mec dans le chat qui met il a mute Discord, du con si tu l'entends en stream c'est que je l'entends. C'est qu'il a pas mute hein. En fait déjà ils comprennent pas quoi. C'est parti peut-être Hugo délire. Monstrueux. Oh là là, ça laisse aucune place au hasard ici, c'est le talent qui parle devant vous. Oh là 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 là. Face à Maxilda, attention ça va. Les touches qui marchent pas. Le premier coup pour Hugo qui passe. Égalité au niveau des points de vie, on prend l'ascendant du côté du spadachien ici, mais ça se fait contrer par le Bushido d'Hugo Delayer. On est sur un match extrêmement serré, ça se rend pour... Il va falloir le sabrer celui-là. Aïe aïe aïe. Putain, c'est serré, hein. C'est vraiment serré. Oh là 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 là. Mais non, mais les directions, ça marche pas gros. Énorme chop. Encore des dégâts énormes. C'est non. Max il est à fond. Mec, j'ai pas envie de perdre. C'est le seul jeu où je vais gagner, tu sais. C'est du BO3 de BO5 ou pas? En vrai, ouais, complètement, en vrai TFT tu peux gagner. Enfin n'importe qui peut gagner sur TFT. Ouais, BO3 de BO5 c'est bien. Oh bâtard. Allez c'est parti directement, est-ce qu'il peut faire Dan? Ok, qui prend des coups. Et attention. Prends des coups toi Max. Max fais très attention, ouais, coupier qui est bien mis d'un paire de. Il ronfle. Il va éviter Hugo, attention qu'il se fait poursuivre par le Max. Directement. Ah ouais. J'ai appuyé, mais nique ta mère au bout d'un moment. Oh les bons dégâts. Eh c'est peut-être le premier point pour Hugo ici. Ouais, peut-être comme me le dit mon confrère Zulu. Bien joué. Oh là là. Parce qu'on est vite, parce qu'on est vite. La stamina pour Hugo. Oh oh oh. Et je dis oh, je vivais oh. Quoi? J'ai contré. Quoi cette arnaque? J'ai contré. Oh, j'ai fait la direction. Ça marche pas. Non mais je t'ai vu. En fait, c'est juste que si j'appuie sur X au bon moment, je te fais tomber au lieu que ce soit toi. Oh là là. J'ai juste, j'ai juste chaté d'ouf. Quel chaud, game. T'es chaud, t'es monstrueux. Par contre, Max. T'as 300 heures et t'as le cul qui sointe là. Donc, ah mais je transpire de ouf gros, tu te rends pas compte, faut être concentré à l'infini quoi. Max, en vrai GG, t'es meilleur quoi. Bon, merci à vous messieurs, on a ainsi notre liste de gagnants. Non mais Okay. J'ai essayé de m'en sortir, tu vois. Le mauvais joueur de ouf. Il a 3 Z, c'est bon, c'est pas non. Pour Max. Ça régale. En vrai, j'avais oublié de ouf. Putain, j'ai le cul qui flambe en fait. T'as le droit. Commence à me parler poliment. Je ne te respecte pas. Les gens en ont plein le cul. Putain. Écoute-moi bien, Hugo. Première manche. Non. J'ai trop peur. Le match va débuter. C'est parti. J'ai appuyé. Oui, mais... Les jeux de merde d'Ubisoft. C'est la finale des Worlds, messieurs, dames, que vous avez sous vos yeux. Oui, en quel match. Mon cher Ivan Zik, j'ai appuyé. Cette finale, et quelle finale nous avons devant
les yeux tandis que Max transperce son adversaire. Savez-vous, mon cher Gigi, que la dernière finale datait de 1937, hein. Je m'en souviens très très bien, c'était une très très belle époque. Oui, j'ai ouï dire ça, je l'ai lu dans les carnets de la rive. Non, vraiment, c'est chiant. Quelle émission que je conseille, hein. Exactement, exactement. Franchement, c'est des coups exceptionnels hein, qui nous font, c'est des grands, 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 grands classiques. Ils sont super chers. Ouais, on entend Hugo hein, qui râle un petit peu de... Oh, bien joué. Banni par le serve. Ok, mais... Oh, mais attention, il lui met sa pété, comme on dirait dans le bouchon noir. Il a dit non, ne reviens pas. La grosse moula du côté d'Hugo. Mais dis-nous, quand on dit... Mais quoi, je te fais mon X avant. C'est exceptionnel. Sachez-le, la moula est un terme d'origine arabe, hein, sachez-le. C'est exceptionnel. Il rend fou, je suis tellement concentré. Aïe 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 aïe. Mais putain, nique ta mère. Merci. Rend... Hugo tellement swag de... Pardon. J'avoue que la tête chercheuse était réelle. Oh. Wow. Okay. Je suis sans voix. Excusez-moi Ludovic, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister peut-être à une des meilleures finales de tournoi qu'on ait jamais vues? Ah, j'avais bien l'impression, il y a quand on est en confiné qu'on... Chez vous. Je crois qu'on a tous jamais autant vibré chez nous, c'est ça qui est exceptionnel. C'est juste magnifique et des coups sont donnés ici, des mots sont échangés également. Oui. Quelle violence. Alors, il y a de la violence, mais il y a aussi vraiment de respect, hein. C'est ça que j'ai envie de dire. Mais quel connard, putain! Il me fume, il me fume, putain! Beaucoup de respect, ce coup de pied ici qui va faire la différence! Il casse les couilles, putain! J'en peux plus. Nous allons Arkeli avec nous, après. Sachez-vous que Arkeli d'ailleurs qui a été en prison juste après hein, d'ailleurs. Exactement, plusieurs accusations. Et Arkeli je fais les directions, ça c'est avec, les musiques de, avec les chaussures de Air Jordan hein. Sachez-le, je voulais quand même préciser cette information. Bon, et puisqu'il y a quand même un R à l'intérieur. C'est vrai. Et c'est parti, l'égorgement directement. Je suis allé très très vite, Max. Ils sont infâmes, c'est horrible, je te jure. Ah, allez go, allez go, allez go. Sur la dague de match, hein, si je puis me permettre. Ouais. La dague de match, elle est bonne, elle est bonne. J'adore cette expression, on va remettre l'église au milieu du village, Ludovic. Oui, c'est vrai, tu pourrais peut-être rappeler quand est-ce qu'elle a été... Ah, c'est une église, ouais, c'est un style néo-gothique hein, qu'on pourrait analyser tout à fait. Franchement, hein, donc, dans, juste si on devait parler en termes architectural, l'arène est juste magnifique. Hein, c'est vraiment incroyable. N'est pas sans rappeler le Japon. C'est un jeu de fils de pute. Voilà, j'attendais, j'attendais la rage un peu. C'est fini, c'est fini. Ah, c'est fini, quel dommage. C'est vraiment énorme, on s'est régalé en tout cas. Sachez que malgré les mots qui sont échangés, il y a énormément de respect entre chaque participant. Ça, c'est un... Merci Hugo, tu m'as bien fait transpirer malgré du cul. Les mots MOT, bien sûr, à ne pas confondre avec MAUX. Je ne te respecte pas, mec. Bah oui, je comprends. Je te respecte pas, mec. Après, le truc, c'est que plus tu joues contre un mec, plus tu. Tu vois ce qu'il fait et tu commences à capter comment jouer quoi. C'est fini hein, c'est fini, on en parle. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Le joueur de Death Stranding en difficulté. Bon messieurs, est-ce que vous souhaitez faire une petite 4v4? Ah oui oui, non, ah oui moi je suis chaud moi. Alors attends. Je veux de la dinguerie. Je veux de la dinguerie. On se met encore en escarmouche. Si vous voulez je peux commenter hein, parce que je suis pas obligé de jouer. Il est mute gros. Il a disparu comme Iceman. Bah rejoignez-moi. Je pense que c'est plus simple. Ça me plaise d'avoir Xari en tout cas en cast. Mais en tout cas en animation il est très très chaud ce mec là. En vrai Xari c'est vraiment son point fort quoi. En vrai il s'est cassé ce bâtard. Point fort, les streams de groupe toujours là. Pour mettre la bonne ambiance. Mais attends. Le petit Xavier est demandé en stream s'il vous plaît, le petit Xavier. Je vais l'appeler parce que... Faut qu'on se mette d'accord sur le jeu de demain par contre. C'est TFT demain. On a dit Golfit non? Tu vois il y a le coup. Golfit demain? On échange Golfit et TFT et voilà c'est tout. En vrai Golfit ça me va demain, ça me va. Oui bonjour, okay. J'étais en train de prendre une douche. Ah, ah voilà, bien joué. Est-ce que vous prenez des... J'étais là, j'étais en train juste de check un peu le récap, on bosse, on bosse. Je vous invite à me rejoindre les amis. Comment on arrive. Tu nous invites en autre ton déjà. Il faut que je vous invite? Bah je crois non, je sais pas comment je te rejoins. Comment ça me parle poliment ami. Bah en vrai, le truc c'est que si tu m'invites pas, je me sens un peu vexé quoi, je vais pas m'imposer non plus. Est-ce que je peux inviter plus de 4 personnes? Je vais le découvrir ici. Bah si on peut faire du 4v4, je vois pas pourquoi.
D'ailleurs, juste pour Mario 10, on pourra faire du 2v2 aussi à la fin. Ah, et ça du coup, me pour Mario 10, il faut absolument... Bah, qui va host, en fait? Ouais, c'est bon. Bah, qui va prendre attends, pour Mario Tennis, il faut Mario Tennis. Ouais, j'avoue, je viens d'y penser. Oui, putain, oui, oui, il vous faut le jeu. Allez, les gars. Aïe. Il est horrible. Ouais, c'est pas là. C'est qui Nintendo qui va nous passer des clés, non? Que Nintendo va nous donner des clés, à mon avis, je crois qu'ils sont très chauds pour ça. Des barres, c'est marrant, j'adore ces vannes. Des barres, mais c'est, putain, vrai, c'est la meilleure vanne depuis le début du live, Gigi. Faya, il ne manque... Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il manque Zary et c'est bon. J'arrive, c'est juste j'ai dû relancer mon jeu, il avait crash. Alors, je te... Du coup, c'est acté, c'est Golfit demain. Ouais. Ouais, on inverse Golfit et TFT. Voilà. Du coup, je l'installe. Mercredi, du coup, c'est quoi? Mercredi, ce sera CSGO et c'est aussi le... Alors, précision sur CSGO. C'est le jeu qui vous permettra de former les équipes 2v2. Parce qu'il y a plusieurs jeux qui vont jouer en 2v2. Okay. Et en gros, sur CSGO, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un tournoi de 1v1 en 4 manches à chaque fois. Donc, ça va aller très vite. Et on va, ça va déterminer un classement de 8 personnes, d'accord ? Sur ces 8 personnes, le mec qui finit premier, il a le droit de choisir parmi les 4 derniers. Le mec qui finit deuxième parmi les 3 qui restent. Le mec qui finit troisième parmi les 2 qui restent. Et le quatrième jouera avec celui qui n'a pas été sélectionné. J'arrive pas à te rejoindre, tu peux me réinviter, mec. Ouais. C'est une draft. C'est une petite draft de coéquipiers pour essayer d'équilibrer un petit peu les groupes. Mais par contre, le format des maps sur CS, ce sera, il n'y aura qu'un seul BP. Ouais. Sur chaque map, c'est un format réduit de chaque map. Et on fera un truc stylé avant. Okay. On fera que tu voulais faire du 2v2 en mode M-map et tout, quoi. Non, c'est du. En vrai, c'est ça va être lourd. Plante, hein. C'est du BP, sauf qu'il n'y en a qu'un seul, la map est réduite. Il manque un mec. En plus, il y a un mode spec, donc on pourra caster et tout, ça va être énorme. Il manque Jumpé. En vrai, je pense que ce sera le plus simple à suivre. Fight pool party, gros. En vrai, Call of, c'est simple à suivre aussi pour le coup. D'ailleurs, je le dis en live. Attends, c'est quel Call of Duty? C'est le Modern Warfare, le dernier. Le dernier Modern Warfare? Putain, je crois j'ai fait des OP dessus, j'ai même pas le jeu. Je crois qu'on l'a, si Gigi, on l'avait. Mais non, on l'a fait sur console. Moi, je l'ai demandé à Mathieu, je l'ai eu. Ah ouais, je peux demander un normal que les fils. Hein. Ah, mais attends, mais moi, à qui pour Mario Tennis? C'est sur PS4. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Faya? Faut demander à qui pour Mario Tennis? En vrai, Mario Tennis, par contre. Bah, il va falloir l'acheter. Hein. Ouais, je sais, c'était. Je crois que sur Instant Gaming. Tu peux me réinviter, Max? Ça a bugué, je sais pas pourquoi. Bah, je t'ai réinvité, je vais te réinviter. Non, c'est possible de jouer ou pas en fait? Bah, écoute, donc là, c'est quoi exactement les règles du coup? Là, on est en élimination, c'est du 4v4, mais quand tu meurs, tu réapparais pas, donc vraiment, il faut être chaud. Et vous pouvez tout à fait faire du 2v1. C'est les règles des équipes, je parle. Ah bah là, j'ai pas. Non, non, on va pas random, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire le premier et le deuxième, peut-être avec les deux derniers, et puis tous ceux du milieu jouent ensemble. Ça doit être un truc comme ça. Ok. Je suppose. Hein. Si je me rappelle bien, j'étais dernier, hein, il me semble. Avant-dernier ici. Donc Rive et Faya avec moi et Hugo. Toi Hugo. C'est moi Hugo. Je ne te respecte non, pas. Non mais mettez pas Hugo et Max à deux. Bah si, mais on est calme. Si, on va c'est équilibré. On va non mais c'est surtout qu'en cas en gros, c'est pas du 1v1 du tout. Voilà. Ça exagère de l'autre côté. Donc on se met où? On fait quoi? Nous on se met à droite. À droite là, et Faya on fait vraiment du 4v2. 4v4. Faya, c'est le comptage K8 en défaut. Et Max de leur côté. Ah ouais, d'accord. Non, mais bah si vous voulez on change, moi je m'en bats les couilles. C'est bon, allez, on va vous laver le cul, putain. D'accord. Oh, pas sur ce bon du coup, vu qu'il y a plus de... Je vais jouer le moine, vu qu'il y a plus d'enjeux là. C'est quoi les trucs qu'on a? Merde, il y a les atouts et tout là du coup. C'est quoi les atouts? Ah oui, il y a les atouts, c'est quand vous faites des séries de kills, vous avez des bonus que vous pouvez balancer sur vos adversaires ou des fois des bonus sur vous-même. C'est Call of Duty. Non, j'ai joué un perso qui avait rien, t'inquiète. Ok. J'ai fait exprès, j'ai... Tu as joué le moine tout à l'heure, Max? Oui, il y a des grenades. Là, je vais jouer le moine. Mais pourquoi tu l'as pas joué tout à l'heure? Tu sais pas jouer? Parce que non, je sais pas le jouer, mais juste je kiffe. C'est-à-dire que j'adore le gameplay au bâton, juste j'ai pas pris le temps d'apprendre. Il y a même un bombardement aérien, si je me souviens bien. Ouais. C'est un AC-130, le truc. C'est ça. Bombardement aérien. Carrément. Moi j'ai tort. Carrément, enfin, quasiment. Ragnar Lodbrok. Moi, j'aime bien aussi le mec avec... Je me rappelle que j'aimais bien le mec avec la hache. Faut que je le reprenne après. Ah oui, c'est vrai qu'il était stylé. Si on voit que c'est pas équilibré, on pourra faire un 1-3-5-7 contre 2-4-6-8. Ça devrait marcher. Quick math. Yeah. En vrai, par contre, là juste, il y a des creeps ou pas dans ce truc ou non? Non. Ok. C'est en Dominion qu'il y a des creeps. Non, mais je me rappelle plus de tous les modes de jeu, moi j'avoue. Ça va, le chargement est pas trop long en vrai. Non, je vais le petit. Et le jeu est connu pour être hyper rapide. Tu vas être aussi rapide que nous. Alors en vrai, le jeu charge vite, c'est juste qu'il y en a un d'entre nous qui doit charger lentement et qui baisse tout le monde. Ah, bah on va passer des places. Je pense que c'est Junpei en vrai. Pourquoi? Non, il y a peu de chance. J'ai une machine de guerre. Portable. Pourquoi toujours les gros?
Le mec chiant à chaque fois qu'il dit un truc, et à chaque fois qu'on lui dit un truc, il croit que c'est parce qu'il est gros. Le mec chiant. Pourquoi il est gros? Tu es un peu une tension war. Hein. Ouais, un peu. Merci Zulu. Zulu. Une blague jamais faite. Trop bien. Les gars, moi j'ai un problème avec ma machine à laver. C'est l'homme. Putain, cas, merci à tous. Zulu, dans le récap tout à l'heure, ça va être une scène. Et sur le live, vous nous avez régalé. Non, éteins pas mon PC, non. Parce que qui l'eut cru, 7K sur Dishonored, c'est dans n'importe quoi. For Honor, c'est cool. C'est incroyable. Il y a un mec qui a éteint son PC ou quoi. Oui, là, il y a quelqu'un qui a l'air d'être en PLS total, quoi. Ça va arriver. C'est pas moi. Ça va arriver. Oh. Non, il rigole. Il rigole, ce serait pas lancé sinon. Ah, mais t'es quand même rang 12. Ah non, le rang entre laurier, c'est ton rang global. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, je suis rang. On aura le temps de faire que un seul 4v4, comme ça, c'est parfait. Ça y est, bravo Jumpé. Il est en train de charger l'animation. C'est le serveur IB. C'est le serveur IB, ils sont en mode. Attends, quoi, il y a encore un 4v4 sur notre jeu là. Par contre, tu te moques, mais le jeu est magnifique. Oh, Fire Gazi! Non, moi je me regroupe! Oh la Gige! On arrive! Oh la Gige! J'arrive avec un gars. Je suis avec toi, Igou! Oh, il m'a fumé comme jamais, gros! Oh, c'est un 2v2 là! Bah oui! Je les fume! Il y a des spécificités à ton moine ou pas? Ouais, je peux. Je peux arrêter d'attaquer en fait! Ok, j'ai l'impression que t'as pu contrer un truc et un break. Ah, il m'a mis. Oui, j'ai fait une parade parfaite, c'est tout! Bien joué ça! Attends, mais tu peux te réanimer? Ah oui, tu peux réanimer. Oh! Oh, bien joué! Ça, c'est un imparable. Oh. Oh. Yes. Vous pouvez me réanimer? Ouais, d'accord, tu m'as baisé. Non, ah, okay, c'est... Oui, on peut réanimer les morts. Hein. Venez me réanimer! C'est le mec. Comment on fait? Je refuse, moi. Bite babé! Non, mais on peut réanimer, vraiment? Oui, on peut réanimer. Oui. Je viens. Tu oh, bah dis donc! Qu'est-ce qu'il fait, lui? J'étais nul, je suis désolé, les gars. Ah mais moi aussi j'étais nul, je perds. Vas-y la juge. Bah, c'est dommage, j'ai été un peu. Oh, il est trop fort. Oh, tu l'as cassé en deux. Réanime mec. Réanime Zulu, réanime. Mais je sais pas. Si tu peux venir mais sur tu viens sur nos cadavres et t'appuies sur le bouton qui va s'afficher sur l'interface parce que c'est un jeu Ubisoft et que c'est bien fait gros. Mais dépêche-toi. Mais ça mais c'est pas un cadavre de l'équipe ennemie, ça bouffon. Oh là là. Voilà. Appuie là. Mais on est pas bleu, on est orange nous. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'étais sur un cadavre orange. Non, t'étais sur un cadavre bleu gros. Je vois sur la map. Vas-y, rushez Zoul. Bon, alors, y en a qu'on peut plus raise. Hein. Quand ça fait trop longtemps, on peut plus raise. Bien joué. Fuck. On est que deux. 2v2. Non, c'est mort. Il nous restait que Rivenzy le bot dans notre équipe, nous. Bah ouais, mais j'ai gagné mon 1v1, moi, mon gars. Ouais, c'est pour ça aussi qu'il va perdre. Bon, attends, moi je. Oh, c'est stylé. Faut mieux qu'on reste ensemble, là, je pense. Ouais, mais je sais, mais attends, je prends un bonus. Okay, non mais il prend des bonus et tout. Oui bon ça va, ah, mais ça non, va. Mais nous on a pas de bonus gros. Bah il y a des zones, bleues sur la map, quand vous allez dessus ça vous donne un bonus d'attaque ou de défense ou machin. C'est sur la map, vous pouvez le voir. Ah je les vois, tout le monde les a. Ils sont au centre de la map, ils sont au centre de la map. Vas-y du 2v2 on les baise. Ils sont là. Bon. Ouf, oh le coup de bâton. Oh. Attention, reste pas dans la zone, il va te vider. Tu me tapes moi Zulu au cas où. Oh. Dommage. Je suis entre les deux. Vas-y, je faut que je finisse. Oh. Ça. 1v1. Oh, t'aurais pu me laisser finir, bâtard. Bah non. Comment pas. 1v1. Voilà, si tu perds Xav, y'a un problème. Allez, bien joué. Oh là là. Putain, j'ai essayé de me heal, il m'a pas laissé quoi. J'ai essayé de faire un petit coup de fourbe en arrivant derrière pour qu'on se mette à deux. Mais bien joué Zulu, c'était fait exprès. Après, ils sont bien malins. T'as vu qu'ils sont allés sur la zone de heal pour récupérer de la vie. Hein. Bah évidemment. Tu nous as dit il y a des bonus, j'ai perdu. Ah bah oui je t'interdis pas de les prendre du tout. Ma meilleure méthode, la fuite. Ciao le bouffe. Oh. Non. Ah. J'ai failli toucher. C'est bon, je l'ai fumé. Désolé Zoul. Oh bah super. Alors si vous voulez pas. Tu m'as volé le kill là. Si vous voulez pas qu'il puisse se faire réanimer, il faut faire un finisher. Hein. Ah mais tu peux faire une exec pour pas pouvoir... si tu fais une exec, il peut pas raise en fait. Bah oui, c'est pour ça. Je savais pas. Mais Jiraiya, il est vraiment arrivé. Fait 2v1, il a, mais j'étais poursuivi par Hugo. Et en fait, je lui ai mis le coup, c'est pour ça que je te l'ai volé. Rivenzy, il faut qu'on reste ensemble. T'inquiète. Pas d'une grande aide, hein. Je suis tombé. Hey, Riv. Oh là, derrière moi. Oh oui. C'est le boss.
3, mais Harry, qu'est-ce que t'as branlé? Mais je suis parti pour raise mon pote. T'es vraiment un énorme chien. Mais non, je raise mes amis, t'es sérieux? Bon, on est 3v2. Il y a de la vie là, les gars. Il y a de la vie ici. Il y a de la vie ici aussi. Bah, moi je suis full, c'est bon. Oh, ça dégoûte. Attendez, les gars. Oh, je suis face au. Ouais, recule, recule, viens vers nous, viens vers nous. Oh, attends. 3v2, là. Oh non. Bon, faut pas faire ça. Hop. Attention, parce qu'il va avoir la revenge si vous le tapez trop. Hein. Je crois que c'est vraiment. Je peux contrer tout le monde, je peux pas contrer tout le monde, tu sais. Si, si, tu peux. C'est impossible. Hein. Si, tu peux. Si chacun tape d'un côté, tu peux pas contrer. Le jeu est fait pour, en fait, c'est-à-dire que quand tu cibles un mec, le mec qui est à ta gauche, à chaque fois qu'il va te taper, il te suffit de faire un bloc vers la gauche et ça va bloquer toutes ses attaques, peu importe d'où elles viennent. Et pourquoi j'ai gagné tout mes 1v1 en début de game alors que j'en ai pas gagné un seul pendant le tournoi? Putain, ça dégoûte. Ça dégoûte. J'avoue. Oh putain. Ah, Maxime Dan. À nous deux. Oh, bien joué, Paya. Tu régales. Salut. Ah non, c'est Rivenzi. Oh putain, il fait trop mal. Bien joué, ça. Tu régales. Putain, mais j'arrive pas du tout contre le perso du gauche, je comprends rien ce qu'il fait. C'est quoi ton chaud. Bonus là? J'arrive pas, je sais pas du tout, je l'ai activé mais. Mais t'as toujours de la stamina fou là. Oh fait. Quoi le. Voilà, j'en ai plus. Wow, mais ça va gros, la portée du truc. Eh, j'ai un bâton. Qu'est-ce que tu veux faire contre mon bâton? Ma stamina sans rien faire, je m'en vais. Je suis mort, vous pouvez me rester tout le temps. Ouais, j'arrive, j'arrive. Au milieu, y'a Xari qui a plus de vie. J'ai vu. Non. Bien joué ça. Avec Zarek qui se fait 2v1. Mais en fait, le truc c'est que mon perso, j'ai l'impression que je peux rien faire contre le truc du gros, il est trop rapide, je peux pas le toucher. Genre dès que je fais un gros coup, il a juste à esquiver. Contrer pas mal de tes coups en vrai. Oui, oui, non mais aussi, mais je veux dire, t'es meilleur que moi de base, mais genre, j'ai vraiment l'impression d'être une salope quoi. Pareil, t'es gros, j'ai galère de ouf. Oh, mais sérieux, qui fuit encore? Je sais pas qui. T'es où? Oh là là, le petit zizizou. Putain, mais je sais pas le faire. Putain, mais what the fuck? En fait, c'est que des lives que vous faites à chaque fois, c'est pour ça. Oh, je cours en mode Naruto! Je suis en Naruto Run! Ah, j'essaie de faire des. Putain, lui, il est horrible parce que quand je fais un deflect, il peut encore remettre une light derrière. C'est dégueu. Si quelqu'un veut me raise. Gros, mais tu m'enchaînes, c'est abusé! Tu m'étonnes que je veux pas me fight contre toi, gros! Je connais mes combos. T'es chétan, gros! Tu peux me raise, Hugo? Non, c'était chaud! Oh, la chatte à la raise! Oh merde! Que de la chatte! Non, putain, je fais n'importe quoi! Oh putain, oh putain! Oh! Non! Quelqu'un me raise! Parti, Epi! Allez, Jumpé! Oh non! Oh, genre, tu t'es TP, gros! Oh, il est en train de raise ses potes! Ghost raise, les gars, Ghost raise, vous êtes en super raise! Retourne-toi! Oh, tu régales! Mais putain! Il a plus de respect! Riff, tu régales! Merde, il reste ses potes! Reste de moi derrière. Vas-y, reste. Tu peux raise encore. Non. Non, mais raisez-moi. Mais t'es ferme là, je viens, putain. Je viens. J'avais pas vu que j'étais en hauteur, mec. Courez. Et tu m'as frappé, fils de. Y'a pas de. Je crois qu'il y a pas de. Allez, gros. Il fait le. Là. Ah, tu m'as frappé. Par derrière. Mais non, c'est Rive. Ah oui, merde. En plus, ça me heal, ça, donc ça régale. Il est où le dernier là? Mais y'en a deux autres. Oh non, il s'est fracassé contre la poutre. Et comment on fait la revanche là? Parce que Rivenzi il avait full vie. Aïe. Une fois que t'es full charge, je sais pas si je l'ai activé la Rivenzi, mais si tu l'as, tu fais Y et ça s'active. Ok. En fait, les gars, là vous avez fait n'importe quoi parce que pendant que Jiraiya était en train de me raise, il fallait le suivre parce que sinon vous avez fait tout de l'étonne, en fait. Je sais pas pourquoi vous avez été allé au milieu de la map, il faut rester en. Oh, il m'a fumé. Forcément perdu en fait. Mais là, il est légendaire là. Ouais, Rivenzi, mais en fait, il a une vie en plus, il a un shield. Bah ouais, j'avais un streak quoi, parce que j'étais héroïque en fait. Ouais, non, mais je sais pas d'où ça sort, mais en fait, on a bien l'air. T'as le 2v2 dans le 1v2 dans l'escalier. Ah, il fait mal hein. Non, mais c'est. Bah, en vrai, Gigi, t'as très bien joué, parce que ce que t'as fait dans l'escalier, c'était propre. Ouais, tu m'avais fumé, je m'attendais pas du tout, j'étais en mode ok. Bravo! Parce que j'étais en lock sur un mec, je pouvais pas. Oh, la refaire, tu peux pas la relancer direct? Ouais, parce que sinon ça va être trop chiant. Si, je peux relancer, bah là t'as rien à faire, ça relance. Très bien, vas-y, relance. Par contre, évaluer cette partie, ça sert réellement à quelque chose? Ouais, bah c'est je pense que ça sert pour Ubisoft, mais ça s'arrête là. Non, mais ça relance pas du tout, ça va refaire le chargement là, c'est de la merde. Ah bah faut que tu puisses changer de perso, oui. Oui, bah c'est. Relance direct. Vous voulez relancer direct pour pas qu'il y ait un chargement. Tu peux faire genre revanche, tu vois, que ça relancé. Malheureusement, je crois pas. Moi je vais changer de perso. Je pense que.
C'est mieux de changer un peu les teams, non? Parce que c'était quand même un peu déséquilibré. Il reste non, non, c'est juste qu'on a on était nuls. C'était ok. Enfin, ouais, moi j'étais bien. Moi j'ai juste été mauvais. Hein. Moi aussi. Bon, bah si c'est ouvert, on reste comme ça. Allez. Ouais, vas-y. Désolé Hugo, je reste avec toi. Allez, Tumpé France là. Putain, Tumpé. Si c'était ta pensée, j'ai bien. Qu'est-ce qui s'est passé à Tumpé? Non, mais moi j'ai pas reçu le truc. Bah, mais t'es pas avec nous. T'es pas dans la game avec nous. T'es dans la game avec nous. Non, mais c'est bugué. Ah, c'est bon, il y est là. Ouais, allez, bon. Non, mais... Il a juste un PC de mort, c'est tout. Va falloir que tu le fasses avec. Du coup, là, Hugo, en fait, en gros, Rivenzy, il avait des atouts parce qu'il a fait plein de kills, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Je vais essayer de jouer autre chose. T'as une petite smoke, une plus de flèche. Je vais jouer le victimaire. Et comment tu les trucs? Je ne connais pas. Bah, c'est juste avant, quand tu sélectionnes ton personnage, une fois que tu la lock, non, mais comment tu les atouts dans la game? Ah, bah, c'est tes croix directionnelles. Je joue un perso que je n'ai jamais joué, messieurs, je vais le découvrir. Super Zulu, faut mettre prêt, hein, dépêche-toi mec. Sur mon interface, c'est écrit que je l'ai joué plusieurs fois parce que je suis niveau 4, sauf que c'est juste quand j'ai prêté un compte à un pote. Et que en vrai, merci, ouais, les Rey, vous êtes 7k, ça fait zizi. Vous êtes 7k à nous regarder, bah ça fait super plaisir, merci à vous les gars. Et sachant que nous, on prend du plaisir. Récap à 18h30, ouais, et comme il est maintenu. Récap à 18h30, allocution de Macron à 20h qu'on diffusera également. Et puis ce soir je fais un house tour. Je vais vous montrer ma baraque soir à 22h30. Tu oublies la Discord connard et tu me mets pas dans le récap, ça fait super plaisir en fait. Quoi? Quel rapport? Ah, tu parles tout de suite du contenu que tu fais alors qu'après le récap y'a quoi? Y'a la Discord. Ah mais je parle de moi et tout, ça n'a rien à voir avec toi gros. Après le récap y'a la Discord, c'est vrai. Il va vous montrer la maison qui s'est fait offrir. Hein, exactement, je vais vous montrer tout ce qu'on m'a offert. Tu peux pas être là ce soir. Non, ce soir c'est Niette. Ok. Bah je peux dire, y'a Yanou et Rivenzy qui seront là dans la Discord ce soir. Et on va parler du coronaviruses. On va parler avec vous. Parce que, sachez que le coronavirus en fait vient de Chine à la base. Quel connard. Sachez que la chauve-souris c'est un faux problème. C'est ça. Oh putain, merde, ça arrive. C'est 1000 fois plus rapide là pour charger. Mais... C'est quoi ça? Tu n'as aucun pouvoir contre moi. T'as chargé, c'est bon, Jumpé? Il a compris. Non, mais je sais pas, je demandais. C'est trop chier avec ça. Oh. Putain, je connais pas le perso. Alors, Faya, on s'enfuit? Bah, mec, j'étais en train de faire couler de l'huile chaude sur les ennemis. Oh non, j'ai pas réussi à t'exécuter. Le perso il se joue pas du tout comme les autres quoi, c'est très surprenant. On peut me raise hein, si vous voulez, si quelqu'un est chaud. Ah oui d'accord. Ah oui. Après mec si t'arrives à 2v1 C'est pas possible. Ça fait 30 ans que je fais des combats à l'épée, jamais vu ça. Break, juste chill. Allez, chill. Tu fais juste shield. J'ai eu énormément de chance, je vais pas te mentir. Dommage. Non mais à la fin j'ai paniqué, j'ai spam. Et tout à l'heure Max il a dit faut pas spam. Ah, bien joué. Putain, franchement Hugo fait un effort quoi, c'est chiant. Mais pulvérisé les gars. Bien joué, le gros il fait vraiment mal hein, quand il y a un duel à... Ouais. Ah bah quand ça touche ça fait mal. Ah mais t'es avec toi Max? Là j'ai changé de perso mais par contre... Attends moi c'est plus les mêmes équipes. Ah si, non, c'est bon. Pardon, excuse-moi. Je regardais ton écran. C'est vrai que j'ai ça. Vas-y attaque. Ouais. Ah ça bloque partout. Ça c'est marrant ça. Si mais bah comme ça voilà. Oh il fait quoi? Vraiment là? Oh putain. Bam. Attends. Voilà. Hop. Mais quoi, je suis one shot pourquoi? Il y a des pics sur le mur. Je t'ai poussé sur les pics. Ah putain, je savais pas. Ah mais moi je suis une petite salope hein frérot. Ah t'es une salope gros, t'es pas un petit peu. Ah j'ai pas de race hein, c'est. Bien joué, crafty ton perso. Ah terrible. Il est intuable Hugo, il est chiant. Ok, oh, ça se passe bien là. Pas vu. Voilà, vous êtes bien ouais. Oh nice. C'est merde. Ils sont où les derniers là? Attention, que ça arrive seul hein. Mais t'es où? Est-ce que vous voulez faire des 1v1 là la chaîne? On le chasse, on le chasse. Déjà si vous le voyez dites-nous hein, parce que moi je suis... Ah je le vois, partout. Il est là, il est là. Quoi? Oh non, je me fais des dégâts en fait. Attends, tu vas mourir par fire. Hop, ça dégâte. Non, je vais faire dégâts. Mais vraiment, je comprends pas quand les deux attaquent. Là, j'ai contré, mais j'ai quand même pris le dégât. Je comprends pas comment ça marche. J'ai contré à gauche et les deux tapaient à gauche, mais j'ai. En fait, non, normalement, ça bloque tout. Je pense juste qu'il y en a un qui avait une attaque imparable et du coup, elle est passée. Ouais, j'ai dû me faire. Oh non. Allez, Hugo. Okay, c'est parti. Hello, fire. Allez, la gige. Allez, bouffe. Oh, je peux pas descendre.
Allez, ciao. Comment on me casse. Oh, reviens. Bon. Non, je sais pas trop. Ouais, je sais pas comment. Attends, si c'est bon. Attends, ça remonte. Je remonte. J'ai compris pour toi. Reviens, on était si tu veux. Putain, il est classe ce perso. Oh, yo. Ah, il est trop classe. Oui, il est payant, non? Bah. Ah, yo. Tu peux tous les débloquer gratuitement dans le jeu. Oh, bien joué, gros. Oh, bah yes, non. Oh, bah non, bah ça c'est pas drôle ça. Oh, Junpei le traître. Allez, Max. Oh, j'ai mis une énorme barre. J'ai pris une bouille de Xary là. T'as un Xary, bâtard. Je suis désolé. Il l'a mis. Il l'a assommé, tu sais. Oh non, j'ai une gourde. Oh, genre t'as chopé là. Bien joué. T'es trop fort. Chabit. J'ai fait de la grosse merde. Chabit à la fin. Désolé, gros, je pensais qu'il y avait pas de TK. Bah, nous on a eu un duel au sommet avec Hugo. Ouais, il était pas pour remettre ça là. Ah, vas-y. Tu vois que c'est équilibré. Je crois qu'on bouge aléatoirement, il me semble. Ouais, mais bon. Oh, bah vas-y. Ah, bah là, j'ai. C'est... Ah, c'est Riv, les tests, Hugo. Oh, bah viens ici. Merci. Non, mais je déteste. C'était trop fort. Ah, putain, j'ai. Hop, ça. Oula. Oh, bien joué. Bah, jumpé. Ah, t'as envie de me pousser, hein. J'ai fait croix. Et voilà mon pote. Je suis censé avoir le même perso que toi, c'est ça? C'est vrai. Ah, bien joué. Ta chope qui est passée, gros. C'était chaud. Tu sais que j'ai pris le bonus de vie, gros, j'étais à côté de toi. Bah ouais, je sais. Je suis raisable. Mais bon, j'ai tué Hugo. Ah mais non, mais... Ah, t'es tout seul. Oh, ça va être dur, là. Trop bien, ça. Il reste plus que Riv. Je vais le détruire. Riv, si tu gagnes, t'es un héros. Sache-le. Ouais, bah... Dommage. Dommage. Y a eu trop de pression d'un coup. On m'a mis trop de pression. Non, bon, non, on en fait une dernière et après là. Ce sera fini. Bah attends, c'est pas 25, non? Ah, il est 22 en vrai. Ouais, ça va être chaud à mon avis. Hein. C'est magnifique, ça va couper automatiquement. Ouais, bon, ça va couper automatiquement. On est tous aussi fort. Ça veut dire que je suis le trip, tout le monde. Bon, bah les amis, pour info, les gars, le LTF4 marche très très bien sur le jeu. Ouais. Oh de ouf, hyper épique. Oh, redinguerie, hein, le LTF4. C'est vrai. J'ai allé à tout à l'heure. Voilà l'arbre. Retrouve sur Dofus. Vas-y, je fais l'outro. Voilà l'arbre final, hein, du coup, de ce qu'a donné ce tournoi sur For Honor. On a tous les points évidemment qui vont s'afficher prochainement. D'ailleurs, moi, je vais en profiter du coup pour mettre, tranquillement vos. Je vais mettre vos t'as scores. Le gars du tournament. Ah, mais ils ont déjà été mis les scores. Voilà, donc vous avez le classement actuel, évidemment, qui sera mis à jour à chaque jeu, tout simplement. Rendez-vous demain pour quoi? Pour la deuxième manche, pour Golf It. Golf It. Pour Golf It. Golf It demain, préparez-vous les gars, ce sera pas la même. Ce sera 14h pareil. Tout de suite, c'est quoi? C'est CTRCR, je crois. On se retrouve après pour le récap. Sur le CTRCR. C'est plus l'air. Quand c'était CTRCR, c'est plus l'air. Bordel de merde. C'était CTRCR, c'est pas grave les gars.